Alors, déjà, nous sommes promus admin de la Team Rocket. Après tout ce qu'on a fait, j'ai commencé sbire et maintenant je suis promu admin. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, alors je vais pas expliquer toute l'histoire, ok? Mais en gros, les deux arcs qu'on a fait récemment et qui m'ont pas assez marqué, c'était qu'on est allé, vous savez, à la tour de l'avant-ville. Et donc, du coup, on est allé à la tour de l'avant-ville et on apprend que Red a tué son Ratata qui allait se. Qui allait, voilà, dans le cimetière et tout, nanana, se recueillir vers la tombe et tout. Donc Red est un assassin. Mais en fait, les gars, vous savez quoi? Le meilleur moyen de résumer ce jeu, c'est que c'est Pokémon Rouge Feu, mais tout le monde est des ordures. Tout le monde. Il n'y a pas une seule personne qui n'est pas une raclure dans ce monde de Pokémon. Et je ne rigole pas. C'est-à-dire que Red est une énorme merde. Peter est une énorme merde. Donc Peter, c'est le maître de la ligue. Le professeur Shen, il s'en bat les couilles de Blue. Il n'a Dieu que pour Red. Vraiment. Il y a des morts, il y a une guerre. La création de Mewtwo. Et bah en gros, c'est parce qu'il y avait une guerre entre Peter et Giovanni dans la région de Kanto. Et du coup, ils ont voulu créer Mewtwo parce qu'en fait, Peter, il vient de la région de Johto. Et la région de Johto, en fait, c'est là où il y a les chiens. Donc Entei, Suicune et Raikou. Et du coup, en gros, vu qu'il avait Entei, Suicune et Raikou, et ben en fait, on pouvait pas lutter Kanto à armes égales. Et du coup, Giovanni était le plus riche de la région et il a voulu financer des recherches pour pouvoir créer une arme pour pouvoir lutter contre Peter. Le problème étant que le professeur Shen l'a trahi. Le professeur Shen a trahi Giovanni après le projet Mewtwo qui a échoué, parce qu'on connaît tous l'histoire de Mewtwo. Et voilà. Et là, du coup, je ne sais plus quelle est la mission qui m'a donné Giovanni, mais là, je commence à être un homme de confiance et je suis devenu admin. Le Major Bob. Mais le Major Bob, il prend juste des stéroïdes. Hein. C'est vraiment, c'est tout. Il se pique juste pour avoir des muscles. C'est pas non plus la plus grande histoire du lore. Et en gros, là, on apprend la vérité sur la région de Kanto. En gros, le jeu est en anglais, je fais mon maximum pour traduire. Mais voilà. En gros, pour ceux qui connaissent un peu Pokémon, je suis à peu près au même rank que Lance, le mec qui vole les queues de la Ramolos. Je suis pas un sbire, je suis un petit peu au-dessus. Voilà. Ton personnage est aussi une ordure. Alors, moi, je suis un membre de la Team Rocket. Je peux dire que je peux tabasser les petites filles et voler leurs Pokémon. Et je ne rigole pas. Genre là, je vais vous présenter mon équipe. Suzy. Vous savez pourquoi je l'ai appelée Suzy? Ouais. C'était le nom de sa dresseuse. Ouais. Ouais. Non, mais moi, je suis une ordure. Moi, je suis une ordure. Moi, je suis une ordure. J'ai tabassé la petite fille et j'ai pris son Pokémon. Mais je ne rigole pas. Hein. J'ai volé, évidemment, le Evoli. Non, je ne les ai pas tous appelés comme ça. Et là, voilà mon équipe. Alors, les gars, j'ai pas une équipe forte. Hein. Je vous préviens. C'est-à-dire que j'ai déjà battu Blue, mais Red, dans le lore, il est imbattable. Hein. Red, il est très, très chaud. Après, c'est normal, c'est le lore, hein, évidemment. Hein. Un sbire de la Team Rocket ne va jamais battre. Mais attends, du coup, je sais plus ce que je vais faire par contre. Ok, je dois aller au Bourg-Palette. Je dois aller au Bourg-Palette. Voilà. Mais de toute façon, même si vous n'avez pas tout le lore en tête et tout, vous inquiétez pas. Ça va être assez facile à comprendre. Du coup, tes ennemis, c'est qui? Bah, techniquement, c'est Peter. Parce que c'est un traître. Mais il y a aussi Red. Bah, Red, en fait, il faut arrêter Red quoi. Red, il casse les couilles à la Team Rocket dans le lore. Hey Just Dark, hey yo. Lui c'est mon espèce de rival. Waouh. C'est quoi cette nouvelle tenue? Quoi? Tu as été admin maintenant? Sans blague. Maintenant tu peux voler les femmes et les adolescents. Parce qu'en fait avant, vu que j'étais 15 bires, je ne pouvais voler que les vieux monsieur, les Pokémon des vieux monsieur et des enfants. Maintenant je peux tabasser les femmes. Enfin Sur Pokémon. Maintenant on peut tabasser les femmes et les adolescents. Voilà. C'est dans le lore, c'est ce qui était écrit. Pour voler leur Pokémon, évidemment. Attention, on ne fait pas ce genre de blague comme ça sur Twitch. Voilà. Voilà. Hein? Attendez, on m'appelle. C'était une blague, hein. C'était même pas une blague en fait. C'était le cas. On casse le bras d'une petite fille pour. Enfin, des filles pour voler leur Pokémon. Enfin, c'est vraiment le cas, mais c'est pas du tout. C'est vraiment juste le personnage. C'est pas moi.
C'est vraiment littéralement le personnage. Sans frapper. On fait peur avec nos Pokémon, je sais pas ce qu'ils font. En tout cas, c'est... Je sais pas, en tout cas, le premier Pokémon que j'ai volé, c'est... Il y avait mon sbire qui était derrière, qui avait attrapé la petite fille, elle était comme ça, et on a volé son Rukul. Mais c'est le lore, c'est le lore, je suis une ordure dans le jeu. Mais c'est dans le jeu. Non, c'est pas... Ah, Bill, c'est Léo. Salut, jeu Dark, ça fait longtemps. Léo, en gros, c'était un ancien membre de la Team Rocket. Donc, c'était l'espèce de scientifique et tout. Ceux qui connaissent pas Léo, vous connaissez Léo. C'était le mec qui s'est... qui te donne l'Evoli là. Et bah, en gros, Léo, il crée des porygons pour nous pour qu'on puisse les vendre au casino à 9999 Pokédollars. Faire de l'argent à l'infini. Et là, en gros, il dit que. Que le petit garçon autiste, je vous laisse deviner c'est qui, nous a tous battus. Ah, et Giovanni m'a enfin expliqué la catastrophe. La catastrophe, c'est l'événement de Mewtwo. Ok. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Je sais pas quoi... si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas, mais hésitez un peu quand même. Hésitez un peu quand même. Je pense que je vais jouer avec... évolver, en fait. Évolver Ah non, évolver, il évolue que avec des pierres dans le jeu. Et qu'est-ce... Où est-ce qu'on peut... Attends, mais j'ai pas de... Est-ce que j'ai de l'argent, même? Ah, j'ai pas de carte dresseur. Comment est-ce que je sais mon argent? Merde. Du coup, mon but là, c'est d'aller au Bourg Palette. Je ne sais pas pourquoi. Baisse le son du jeu. Okay. Je ne sais pas pourquoi je dois aller au... Tu voles au magasin. Je pense pas qu'on puisse voler. Pas dans un shop pour ça. Non, mais shop, moi j'ai acheté. Hein. Pour le coup, on achète dans le shop. Oh, attendez. Elle, je crois que c'est une ado. Elle, on va pouvoir lui voler. Oh, un niveau 26 en plus. Allez hop. Allez hop. On rigole plus. On va lui voler son redoudou. Je crois maintenant que je peux voler les ados. En plus, c'est une ado et une fille. Donc vraiment, c'est une cible idéale. Voilà. Voulez-vous voler le Pokémon du dresseur? Et j'écris oui. Et voilà, je vais voler. Oui, on va lui donner un surnom. On l'appelle comment? Ah les gars, c'est le jeu, hein. C'est le jeu, hein. Mais moi, les gars, c'est un RP, hein. C'est pas vraiment moi, au cas où, hein. Non, mais... Kirby? Ok. En vrai, Kirby, pourquoi pas, tu vois. Après, je sais pas si je vais le jouer, hein. Je veux dire, c'est un rondoudou quand même, faut pas déconner, tu vois. Mais le jeu est trop bien. Le jeu est excellent, honnêtement, et surtout ce qui est le mieux, là... Bon, déjà, on peut voler et tout, c'est incroyable, mais je vous jure. Hein. Là, le mieux, vous savez ce que c'est? C'est l'histoire, hein. Vous allez péter les plombs quand il commencera à avoir du lore, hein. Non, mais tout le lore par rapport à Mewtwo? Mais c'est un truc de zinzin, hein. C'est vraiment un truc de zinzin, hein. Ouh. Bah, je crois que j'ai déjà un... Ouais, je vais voler son Pokémon. Bah, je crois que je vais prendre le Butterfree. Non, pas tout de suite. Je vais pas donner des surnoms à n'importe qui. Mais t'importe, il est vraiment trop fort, mon... Mon Krabby, hein. C'est un truc de zinzin, hein. Oh, Tentacool, on dit... Oh, Tentacool, je crois que j'ai pas de Tentacool. Mais là, les gars, je vole tellement de Pokémon. C'est un truc de zinzin. Non, mais c'est un truc de zinzin, tous les Pokémon que je vole, hein. Non, vas-y, je... Ouh, si je peux le... Oh, je peux lui voler ça? Oh. Oh là là, mais je vole tous les Pokémon qui sont sur mon chemin, c'est n'importe quoi. Elle a pas genre un air bizarre de base? Ah, mais non, mais là, ils sont au niveau 24, ok. Ça va. Psyduck. Ouais, pas ouf. Pidgeotto ou Psyduck? Allez, Psyduck, parce que j'en ai pas, mais... Pour voler les Pokémon de Red. Non, mais Red, les gars, jamais je le battrai. Hein. Je pense sincèrement que Red, je ne peux pas le battre dans le lore. Je pense vraiment que c'est rouge feu comme. En gros, je pense que ce qui va se passer, c'est que ça va être rouge feu. Attends. Stop là. No. C'est quoi Razor Wind? En gros, je pense qu'il va se passer, c'est que ça va être juste rouge feu. Sauf que, en fait, là, ce qui se passe, c'est rouge feu. Sauf que je le vis d'un point de vue différent. En gros. C'est juste ça, hein, ce qui se passe. Alors évidemment, ne me spoilez pas.
Si vous connaissez déjà le jeu, ne me spoilez pas. Vraiment, sinon, bah, c'est un ban def, hein. Purement et simplement. Mais, Merde! Avant tout, tout est... Quoi? Attends, qu'est-ce qu'elle me dit, la meuf? Ah, putain de merde! Ce fils de chien est en train de... Ah, ok, son mari est en train de le tromper. Je veux dire... J'ai pas envie d'y croire. Mais c'est maintenant, ok. Oh non, elle veut que je... Elle m'engage pour... Putain, elle est allée le voir sur son lieu de travail, je crois. Et devine ce que j'ai vu? Il était en train de sortir, seul, avec une autre fille. C'était la chose la plus dégueulasse que j'ai vue de ce fils... Oh là 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 là, waouh, 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 waouh. Ce menteur, oh là 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 là, trompeur de merde. Mais je voulais vraiment juste soigner mon Pokémon. Là, je suis engagé dans quelque chose. Je vais devoir tabasser son mari. En vrai. Elle m'a demandé de... Ok, elle me dit de me dépêcher, mais carrément. Mais elle est malade. C'est quoi Viridian City? Ok, je dois aller à Viridian City tabasser son mari. Non mais c'est où? C'est un ouf aussi de tromper l'infirmière Joël. Elle te reparle normal après. Non non non, elle veut heal mes Pokémon mais juste après elle dit tu as toujours pas pété la gueule là? Tu t'attends quoi en fait? T'as un ou deux Team Rocket ou? Il a pas tort. En vrai de vrai, il a pas tort. Je suis un membre de Team Rocket, c'est mon métier de faire ça. Hein. C'est mon métier, hein. Moi toutes les quêtes secondaires je les accepte. Hein. S'ils veulent que je pète la gueule à des gens, je le ferai. Hein. Vraiment. Il est tellement bien mon insécateur, c'est un truc de fou. Hein. Ouais. Ok. Enfin, est-ce que vraiment je sais être un connard, en vrai de vrai? Est-ce que tabasser la personne qui trompe et tout... Moi on me paye juste, hein. Je fais juste mon métier, moi. Elle va juste me payer, la nana, hein. Je veux dire, je suis un membre de Team Rocket, quoi. C'est mon métier, hein. Moi, je... Enfin, voilà, y'a rien, hein. Toutes les infirmières Joël se ressemblent. Attendez, elle... Non, j'ai mal lu. Oh, il a trompé avec une autre infirmière Joël? Non, c'est une dinguerie. Non, c'est trop un truc de zinzin, ça, par contre. Oh merde, merde, merde! C'est qui? Oh, c'est Silver! Ok. D'accord. Oh, il est deux ans plus jeune. Oula, pourquoi il m'insulte? Pourquoi il pourrait juste pas venir? Oh merde! Bienvenue à Viridian City. Waouh. Mais c'est sûr que Silver c'est le fils d'Ariane de toute façon. Enfin, pourquoi il aurait les cheveux rouges? Oh putain, il y a un flic. Attendez, les flics, j'ai pas envie de... Il est où le trompeur là? Il est où ce bouffon? Il doit être là. Oh non, il est pas là. Il est où? C'est sûr qu'il doit être là. Oh! Ok, d'accord. Fun. Très très fun ce dialogue. C'est le keuf. C'est le flic? My! Ok. Oh, wait. Est-ce que tu es ici par rapport à mes problèmes personnels? Oui. Ah ouais? L'infirmière Joël? Ah, Jadiel? Non, Argenta. J'ai dit le Argenta, je confonds tout le temps.
Ouais, ce n'est pas la femme la plus aimante au monde. En réalité... Il veut que je lui ramène un bouquet de roses à l'infirmière, mais il a pété les plombs. Tu vas faire quoi là? Me péter la gueule? Bah ouais. Mais pourquoi? Je comprends pas. Au nom de la loi, je vais me défendre. Mais c'est un ouf. Laisse l'infirmière Joël en dehors de tout ça. Ted. Putain. C'est le même nom que... Skyler, elle baise aussi avec Ted. Mais Ted, c'est tous des connards en fait. Bon voilà, moi je le dis, c'est comme dans Breaking Bad. Le mec est matrixé. Vas-y, je vais mettre Q. Water gun, allez, allez. Hop. Yawn. Oh merde, il a fait bélier, putain. Ok. Allez, take down, moi aussi. Bam, bélier. Let's go. Là il s'endort normalement. Pourquoi il s'endort pas? Ouais. Beat. Il utilise une hyper potion. Pourquoi il s'endort pas? J'ai baillé. XP tes autres Pokémon. Bah ça sert à rien vu que je vole des Pokémon niveau 26. Hein. Ça ne sert à rien. Ok. Là il aura pas d'attaque pour moi je pense. Confuse Ray. On va le confure. Après vole le Caninos. Je pense pas que je suis assez fort pour voler un mec de la police. Honnêtement. Ok, je fais malédiction. Ok, il se tape dans sa confusion. Il est tapé par ça. Shadow Sneak. Allez, S. Pas de dégâts. Hein. Oh, il est plus confus déjà. Non, c'est un truc de zinzin. Ouais, mais tu dis. Merci, Kaïs. Merci beaucoup. Vengeance. Quoi? Ok, il est mort de la malédiction. Polybruce. Fly. Bumblebeat. Non. Ok, Krabby. Krabby pue pas la merde. Allez, allez. Cruel. Allez, on va lui montrer maintenant. Voilà. Attrapez ta femme. Ah, surtout les infirmières Joël sont Géchar, tu vois. Pourquoi tromper l'infirmière Joël? Elle est Géchar de fou. C'est pas comme si non plus. Enfin bref. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux dire que ma femme, enfin, pourrait te demander de me péter la gueule? Quoi? Elle pense que je suis. Elle pense que je la trompe? Je pourrais jamais... What? Attends, depuis tout à l'heure je me trompe? Je pourrais jamais aller avec une autre fille. En réalité... Ok, j'évite la conversation. Merci Arthur. Oh putain de merde, en fait il se balade juste avec avec l'Ipoutou. C'est un truc de zinzin. C'est un truc de zinzin. Tout ça pour ça là. Putain, je dois y retourner, lui dire qu'il n'y a rien. Oh là là. En fait, il garde juste le Lipoutou quand l'autre il est pas là. Oh là 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 là. Oui, je veux soigner mes Pokémon. Alors, tu as tabassé mon petit ami, c'est ça? Hein? La fille que j'ai vue, c'était un Pokémon? C'est l'excuse la plus bidon que j'ai jamais pu entendre. Tu l'as vu? Ok, j'imagine qu'il me trompait pas. Peut-être que c'est vraiment juste un mec qui m'aime beaucoup et qui
qui me respecte et qui tient à moi. Je suis pas convaincu. Mais j'imagine qu'il a pas besoin de se faire péter la gueule après tout. Elle m'a donné un red flute pour me remercier. Oh merde, on exploite les infirmières Joël. Elles travaillent 24 sur 24 à peu près. Oh, mais oui, je connais une fille. It's a simple job. Oh là là, les gars, le lore. En gros, j'ai sauvé une meuf qui a besoin d'exp... Oh là là, mais oui. Oui, je connais quelqu'un qui pourrait... Qui pourrait être remplacé. Putain de merde. J'avais sauvé... Alors, je sais pas c'était quoi, mais... Mais oui, la nana. J'avais sauvé... Oh là là, c'est énorme. C'est énorme ce qui se passe. Je sais plus, elle est dans quel souterrain et tout. Elle est dans ce souterrain-là, non? C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Parce qu'en gros, je crois qu'elle fait modèle et elle se fait mater toute la journée. Elle voulait plus faire ça. Je l'avais sauvé. Et du coup, elle, là... Oui. J'ai trouvé un métier pour toi, maintenant. Oui. Voilà. Oh non. Il veut garder sa... Putain, mais il veut exploiter les femmes. Oh là là. J'en ai marre de me battre. Je donne des métiers... En fait, je suis... Juste un bon gars, en fait. Est-ce que je serais pas, genre... Le bon gars de la Team Rocket. Mais vraiment, hein. C'est un truc de fou, ça. C'est un truc de fou, en fait. Je suis vraiment un bon gars, hein. J'avais sauvé cette meuf-là. Et là, enfin, incroyable. Incroyable, honnêtement, c'est un peu émouvant. C'est un peu émouvant que je lui trouve un métier et maintenant, lui, il veut la garder la fille pour lui, c'est un ouf. Oh non, je me blesse deux fois dans ma confusion, c'est un truc de zinzin, ça, par contre. Ok, bélier, c'est pas grave. Ça fait que ça, bélier, t'es sérieux là? T'es sérieux là? Ok. Oh putain. Ok, nice. Nice, 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 nice. Niveau 36, Krabby, c'est très bien. Weezing, c'est quoi? Mais il y a que des Pokémon qui me... Oh non, il a fait explosion. Oh, explosion qui me fait que ça de dégâts. Mais Krabby, t'es un bon, hein, Krabby. Hein. Furry Cutter, allez. Hop là. Let's go. Let's go, let's go. C'est une dinguerie comment il ressemble à Xabab. Hein. Enfin, je sous-entends rien du tout, hein, mais... Jure, ça va être une infirmière et tout grâce à moi. Voilà, t'as perdu ta plus jolie fille que t'exploitais. Maintenant elle devient infirmière. Je vais aller la voir. Je vais aller la voir. Mais vous savez que depuis tout à l'heure je fais une quête secondaire. Oh, ok, c'était à ma mère et tout. Il m'a donné quoi? Oh, la CT4. C'est quoi? Ah non, la 16 force. Attendez, peut-être qu'en fait c'était une quête principale, non? Vu que ça m'a donné la 16 force. En fait, il y a moyen que ce soit la quête principale que j'ai fait. Accidentellement. Bref, depuis tout à l'heure, je dois aller au Bourg-Palette, hein. Depuis tout à l'heure, je dois aller au Bourg-Palette. Je sais pas ce que je fais, hein. Enfin, si. Je jette des gens, mais je veux dire, c'est pas mon métier, quoi. Enfin. Ah oui, voilà, je dois aller voir Professeur Chen, c'est ça? Oh! Est-ce que je peux voler ce Pokémon ou pas? Arrête ça! On doit faire des recherches! Je peux pas le voler! Oh non! Oh, j'ai trop le seum! Attends, quoi? Elle a soigné mes Pokémon? Merci, mais pourquoi? Oh, attendez, j'ai voulu aller chez Red! Oh, la grand-mère, merde! C'est la grand-mère de Blue? C'est Agatha? Oh! Ce n'est pas une surprise! Ok. Tu es ici pour le professeur Chen, n'est-ce pas? Oh non, j'ai pas du tout l'intention de te stopper.
Nous avons beaucoup plus en commun que ce que tu penses. Rocket. Agatha est la copine de Shen. Alors, je crois pas que ce soit la copine de Shen. Ce n'est pas souvent qu'on voit de nouvelles têtes ici. Viens boire le thé, si tu veux. C'est l'ex. C'est l'ex de Blue. C'est la grand-mère de Blue, du coup. C'est l'ex de Shen. Mais oui. Eh bien, le professeur, entre grandes guillemets, Shen. Ok. Il y a longtemps. Samuel était un homme d'honneur. Il y a quelque temps. D'accord. Nous avons élevé notre fils ensemble. En lui donnant des images de principe, d'accord. Et il est devenu un bonhomme, ok. Il nous a donné deux petits-fils. Oui, donc Blue et sa sœur, ouais. Ouais, ouais, ça pour l'instant c'est du lore. Mais pas plutôt que Blue. Il y a une guerre qui a commencé à apparaître dans la famille. Ok. Blue et sa sœur ont survécu. Mais notre fils et sa femme sont morts. Et le professeur Shen et moi. Ok, d'accord, en fait, ils sont morts pendant la guerre et nous, ils ont juré qu'ils allaient le venger, ok. Pendant la guerre, à cause de la guerre. Et on allait mettre à terre Peter. C'était Peter qui a déclaré la guerre. Hein. Et on va lui faire payer par rapport à tout ce qu'il a fait et d'avoir pris nos enfants, en fait, qui étaient innocents. Oh, mais le professeur Shen, il a fait la salope. Mais oui, le professeur Shen, il avait fait la salope. On se rappelle, le professeur Shen n'a même pas voulu battre. Il a plié le genou face à Peter. On s'en rappelle. Et c'est pour ça que d'ailleurs que Giovanni, il a le seum. Ah ah ah, comment tu pourrais y croire? Il me l'a juré. Il a donné sa parole, Joss Dark. Et maintenant, juste un petit peu plus tard, mais j'avoue, en plus, c'était le maître de la ligue, hein. C'était le général des armées. C'était la personne la plus puissante dans Kanto. Et il a abandonné. Juste pour sauver sa propre peau. Putain. C'est horrible. Grand-mère, s'il te plaît. Je suis désolé. Putain, mais c'est chaud comme histoire. Mais c'est horrible comme histoire. Non, mais le professeur Shen, de toute façon, c'est mon antagoniste, hein. Tu sais, je pense pas que grand-père est vraiment une mauvaise personne. Il est juste très amical. D'accord. Il m'a donné à moi, Blue, une enfance vraiment, vraiment heureuse. Et je suis reconnaissante. Mais, tu sais, il y a juste une chose qui m'a toujours saoulé. Te voilà, Joss Dark. Où en est le vol? Quoi? Désolé de vous interrompre dans votre tea party. But yo. Mais lui, il me fait vraiment penser à Jesse, hein. Pikman. Je le dis. On a le professeur Shen à interroger. Oh merde. Non, 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 non. Je la dégoûte. Putain, mais... Elle allait me dire quelque chose! Elle me bat? On affronte la sœur de Blue? Smash. Ah! Oubliez ce que j'ai dit.
Oh putain, le Vénard. Le Vénard, il faut l'attaquer sur le physique, il me semble. Allez, wing attack. C'est physique, non, le Vénard. Beaucoup de vie, mais physique. Ok. 12 ans. Ah, sur l'image, elle a pas 12 ans. Sur l'image, là, elle a pas 12 ans. On connaît les sprites des trucs de 12 ans. Mais non, c'est pas une grande sœur, au contraire. Ils disent n'importe quoi. Parce qu'il disait que Blue, c'était le petit frère, non? Non? C'est pas ça le bail? Blue, c'est le younger? L'erreur, c'est la grande sœur. Mais évidemment que c'est la grande sœur, c'est pas la petite sœur de Blue. Hein. Elle a genre... La... Si elle a genre la vingtaine de Earthgold qui se passe 2 ans après... là, elle doit avoir au moins 20 ans. Hein. Ah ouais, peut-être que je me trompe. Hein. Et si c'est le cas, my bad, je ne savais pas. Par contre, elle va me battre. Elle va me battre, là. Je rêve pas. Oh non. Pourquoi tu utilises des potions? Ok, quick attack. Fly. Oh là 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 là. Mac Punch, attaque de priorité. Allez hop. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Flame Charge. Ok, je résiste à Flame Charge. Allez. Milita, on va le voler. Je sais pas si on peut voler la sœur de Ren. De Blue, je veux dire. Oh mon dieu, la Raichu. C'est tellement mort. C'est tellement mort. C'est peut-être pas mort. Hein. C'est mort. J'ai perdu. J'ai perdu, mais c'est parce que j'avais pas mon équipe type. Venez, on refait mon équipe type. Oh putain, mais là j'ai tellement de Pokémon volés. Oh, mais j'ai volé tout ça. C'est un truc de zinzin par contre. Hein. Bah, déjà, on a tueur là, qu'on avait pas pris. Déjà, tueur là, on va le mettre. À la place de. Ramolos la merde. Ok. Là, on a un Arbok niveau 25 qu'on a bien volé. Qu'on va mettre aussi. Niveau combien lui? Niveau 17, ok. Bah, Tentacool. En vrai, ce serait bien, Tentacool. Je pense que là, mon équipe est juste mieux. Peut-être. Ah ouais, mais du coup, je peux plus voler quoi. Sans fusil. Bah, on va faire ça. Ah, mais non, j'ai peut-être lui en fait. Qui est juste mieux que Suzy, ouais. La vol a été bonne. On a bien volé. Sac. On va juste réapprendre vol. À ce petit Pokémon. Voilà. Et eh ben la sœur de Blue n'est pas nulle. Hein. Franchement, la nana, elle sait se battre. Hein. Oula. Ah merde. Ok, d'accord. Ah oui, d'accord. Ok. D'accord. Donc ils avaient vraiment pas prévu que je puisse perdre. Ok, on est reparti. On est reparti. Alors là, Ponyta, techniquement, j'ai Tentacool. Bubble Beam. Oh, Toxic Spike, mais oui. Oh, j'ai pas eu le temps de mettre Toxic Spike. Ok. Bonne Brang. Allez. Voilà, tueur. Voilà. Comment est-ce que j'ai eu tueur déjà? Je l'ai volé? Je n'ai aucun souvenir de la capture de tueur. Laisse-la gagner. Elle est pas gentille. Et je vais lui voler. Les gars, si je lui vole un Pokémon, je lui vole Raichu, on est d'accord. Hein. Je vole quel Pokémon? Non, Ponyta, il y en a plein. Je pense Raichu. Hein. Un petit Raichu ferait du bien à tout le monde. Hein. Mais je pense pas que je vais pouvoir... voler Daisy. Je n'accepterai pas ça. En dehors de ma maison. Ah, je peux pas lui voler. Si, voler un Pokémon de cette dresseuse. Ah oui, mais est-ce que Blue va m'en vouloir ou pas? Parce que là, pour l'instant, je suis pote avec Blue. Mais vraiment, je suis extrêmement pote avec Blue. Putain, j'aurais le seum si Blue m'en veut. Allez. Ouais, Blue, du coup. Allez, hop. Ouais, on va donner un surnom. On va l'appeler Daisy.
On va l'appeler Daisy sur Raichu. Comme ça, si je l'envoie contre Blue, il va vite comprendre. Il va vite comprendre pourquoi il s'appelle comme ça, ce Pokémon. Quoi? Je fais Chrome Orb sur qui? Sur la meuf? What? Il a déconné, là! Là, je pense que Blue va m'en vouloir. Hein. Oh là là, Blue va m'en vouloir. Oh là là, mais Blue, c'était tellement mon pote. Je vous jure que Blue, c'était mon pote. Hein. Quel est le problème? Quoi, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Tu avais checké le labo, il n'y était pas là? Oh là là, on l'a pas tué quand même. Elle est juste KO, non? Daisy, you, tu vas payer pour ça. Ok, ça va, elle est pas morte. C'est bon, tout va bien. Elle est juste handicapée à vie. Ah, elle sera juste dans un fauteuil roulant toute sa vie. Mais elle est pas morte. Je suis un mec bien, je suis comme Batman. Voilà, je vais juste péter tous les os. C'est bon. Blue va te taper. Mais Blue, c'était mon pote en plus. Blue, c'était mon pote, hein. Mais quand je vous dis que c'était mon pote, c'était vraiment mon pote. En fait, on était genre. On commençait à nous deux détester Raid ensemble, tu vois. Non, j'ai juste de prononcer ces derniers mots là. Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça, premier degré? J'ai pas compris pourquoi mon collègue a fait ça. Sans raison, genre, j'avais déjà pris le Pokémon. C'est un connard. Bah après, c'est littéralement un membre de Team Rocket, hein. Tu as fait quoi? Eh bien, boss, Joss Dark et moi, Oh non. Cette fille était clairement connectée à Red et Blue. Tu ne dois pas interférer entre les missions des admins. Oh non. Comment peux-tu oser faire... Oh là là, il va se faire défoncer. Mais attends, mérité! Non mais mérité! Oh putain, il va se faire défoncer. Parce que toute l'histoire là commence à cause de lui qui s'est fait repérer là avec ses cheveux verts. Attends, tu es le sbire qui s'est fait repérer par la police là? Sur le nom, je jure sur Arceus maintenant. Ça c'est une dinguerie ça. Dégage de là! Tu es chanceux que je te mets pas en pâture contre des arcanins sauvages. Oh putain, il s'est fait défoncer. Le boss est... Oh là là, mais comment ça? Mais c'est pas le boss qui est énervé, c'est juste toi qui a déconné, mec. Il a tellement déconné. Bien. Ton ami m'a dit ce qui s'est passé. Et j'en ai eu assez pour aujourd'hui. Ah si, c'est Réac. Maintenant, si le professeur Chen n'est... Ok. D'accord. Ok, on va mettre une autre équipe pour rechercher le professeur Chen. Et en attendant, il a une nouvelle mission pour moi. Blaine. Ok, le chauve, ouais, le comment on appelle ça là, le gym leader, c'est le maître d'arène. C'est celui qui a créé Mewtwo, Blaine. On est d'accord? Gym 7. Mais lui, c'est notre pote, hein. D'accord, je dois aller sur les îles. Et je dois aller parler à Blaine personnellement. Je dois dire ça. D'accord. Ok. Faut que je lui mette une pression, quoi.
D'accord, il faut que je mette une pression. Ok, parce qu'il est en train de déconner. Ok. Ok, il va me donner assez de surf. Ok. C'est tout, Jeanne d'Arc. Maintenant, vas-y. Montre à Blaine ce que vaut la Team Rocket. Ah putain. Mais Blaine, je comprends pas pourquoi il fait la salope. Hein. Il a créé Mewtwo quand même. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Hein. C'est toi là. Allez, donne-moi le CSR. Comment s'occupe des lâches dans Team Rocket? Ouais, mais c'est à peu près la même chose quoi. Salope, lâche, c'est à peu près pareil. Faire la salope et faire le lâche, c'est... Voilà quoi. En fait, le mot exact, ce serait genre poussy. Mais je sais pas c'est quoi la traduction exacte, l'équivalent. Mais je crois que l'équivalent en français de poussy, c'est homophobe pour Twitch. Genre, je crois que le mot fiat est homophobe. Mais en gros, c'est ça quoi. Je crois. Je suis pas sûr, mais. Attends, mais ça, c'est des dresseurs à voler, hein. Si j'ai besoin de type O. C'est égal chat. Non, mais je sais, mais en fait, c'est une expression. Donc, tu vois, tu ne traduis pas chat par chat. C'est pas un équivalent. Non, on peut pas voler les pêcheurs. Oh, merde, c'est dommage. C'est dommage, ça. Attends, les hommes, on peut pas les voler. Alors. Et là, il faut que je trouve le mec. C'est-à-dire chaton mignon. Non, mais je sais. Mais. Merci. Ah, la porte est fermée. Il doit être là. Peut-être là. Non, il est dans son manoir. C'est qui lui? Attends, quoi? Ah, il veut un Ponyta contre un. Non, merci. Il est dans le manoir. Ouais. Je dois aller dans le manoir quand ça me dégoûte, mais bon. C'est là où a été créé Mewtwo. C'est là où il y a Mewtwo? Oui, c'est là où il y a Mewtwo. Ok, le secret switch. Moi je connais à peu près par cœur le. Ah non? Ils l'ont changé? Ou alors je connais pas par cœur? Je crois que je connais pas par cœur. Oh la honte. Voilà. Je crois que là où il y a rien, c'est cet étage là. Non, il a pas changé, hein. Non, je crois pas. Ok. Là ça s'ouvre. Alors, et si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est la première. Faut que je me laisse tomber ici. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi il m'attaque? On est du même côté. T'es bête ou quoi? On est de la même équipe, non? Heureusement tu connais par cœur. Merci. Merci de soutenir le projet. Non mais par contre, Ossature, c'est trop un zinzin comment il est fort. Hein. Oh non, est-ce qu'il a lévitation? Oh, il a lévitation. Oh non, je suis empoisonné. Attends, mais en plus, il faudrait que je lui pète la gueule. Et s'il faut que je lui pète la gueule... Ok, ça va. Ça va. Allez, go. Carbos. Ok, il y a une lettre ici. Je peux la lire ou pas? Cher Blaine, tu m'as positivement choqué. Par rapport à plusieurs accusations qu'il y a sur toi, d'accord. Oh, je suis déçu de toi. Mais c'est qui a écrit là? Le professeur Shen? What the fuck? Il parle encore au professeur Shen? Alors, si mes souvenirs sont bons, en gros, la clé... Oh, putain. Si mes souvenirs sont bons, la clé est genre... Oui, d'accord, merci. Il est pas genre là? Ah, ok. Oh, il est là, Blaine, non? Il est là, le chauve. Ok. Voilà. Là, on a pressé le secret switch. Non, je m'en fiche. De toute façon, je peux voler les Pokémon. Ça sert à quoi de... Ah! Tu es venu jusqu'ici, c'est ça?
Tu es le chien de Giovanni. Enfin, l'animal de compagnie, mais moi, j'interprète ça comme un yinche. C'était juste une question de temps. Je n'ai jamais voulu ça, ok? Je regrette absolument tout. Je vais te péter la gueule, mec. Ah merde, c'est pas grave, s'il y a des Pokémon de feu, je suis mort. Ah oui, il a des Pokémon de feu. Merde, la galère. Ok, Toxic Spike. Oh. Flamethrower. Je vais perdre, hein. Oh là là. Oh là là. Bon, les dégâts de tueur. C'est un truc de zinzin. Ponyta, putain. Ok, Arbok. Intimidation déjà. Je remets tueur de toute sa vie. Ok, je vais switch, comme ça je le garde et au pire je pourrais refaire un... Ok. Tout va bien, tout va très très bien. Allez, vol. Ça va bien. On pourrait penser que ça va pas... Ah, fuck, dude. Non, il utilise une super potion, sérieusement, là. Sérieusement, à son âge. C'est chaud d'utiliser une super potion à son âge. Ok, allez. Allez, attaque tonnerre. Je suis quand même un... Allez, je t'ai volé. Je t'ai pas volé pour rien. Ok. Vive attaque. Yes. Yes. Rapidash, c'est Galopin, on est d'accord. Donc Galopin, je viens juste pour mettre un intimidation. Et ouais, mon pote. Mais je meurs de la brûlure. Mais voilà, juste un petit intimidation dans ta daronne. Et là... Bonne rang, allez, s'il te plaît. Inferno qui rate. Oh non, moi aussi qui rate. Oh, il fait déflagration. Ça me tue pas. Oh, ça me brûle, ça divise mes... La chatte qu'il a, elle est énorme, sa chatte. Putain, elle touche encore. Il y a une foufoune. Ok, il rate déflagration. Attendez, y'a moins que ça passe. Y'a moins que je gagne ce combat, hein. J'attaque forcément avant. Allez, Daisy. Plus facile en normal ou Team Rocket? Bah, plus facile en normal. Bah, qui est le plus fort dans l'ordre Pokémon? Les sbires ou Red? Au pire, je le paralyse, hein. Oh non, Thunder Shock, c'est pas Thunder Wave. Oh merde. Pitié rate. Non. Putain, il m'a battu. Mais là, ils étaient tous utiles, hein, j'ai l'impression, dans mon équipe, hein. Tentacool un peu useless, peut-être. En fait, Tentacool, je vais peut-être lead avec lui. Et ouais, je vais lead avec lui et je vais mettre les trucs poison, je pense. Faut que je lead avec Tentacool. Je pense que c'est le mieux. What? Je peux pas acheter d'objets? Parce que je suis un criminel? Mais c'est des tarés. Enfin, ils ont raison, hein, mais... Merde. Je peux pas voler non plus? C'est normal. Bah, je suis pas, regarde, la meuf, elle soigne bien mes Pokémon. La meuf, l'infirmière Joël, elle en a rien à foutre. Tant que je tabasse son mec... Vraiment, le reste, osef total. Enfin, au final, il gardait juste un Lipoutou en plus. En vrai, c'est un bon, hein, le mec, hein. En vrai, de vrai. Oh, attends, là, un petit surf, ça devrait faire des dégâts. Voilà. Attends, mais du coup, j'ai plus de potions, merde. Ok. Là, je fais plus de combat. Allez. Et, les gars, ceux qui connaissent le jeu, parce qu'il est très connu, hein, c'est une des remakes les plus connues.
Vous savez si je suis proche de la fin ou pas? On se demandait ça avec mes monteurs. Ou proche du milieu? Oui, déjà. C'est-à-dire en termes de pourcentage plutôt. Non mais pas proche, non mais je parle pas de proche proche, hein, je parle de 2-3 ans encore. Ah, bah 2-3 heures c'est proche de la fin les refs. C'est-à-dire que là genre aujourd'hui je le finis le jeu, c'est ça que je veux dire. Il reste 30%. Bon bref, là on est parti. Toxic Spike, pitié. Oh non, pitié que je résiste à ça. Mais je résiste pas, je me prends des coups. Je me prends des coups critiques H24, ça pète les couilles ça aussi. La non-chat. C'est abusé frère. C'est bon, toi je te one-shot déjà là. On va ton punita de merde que je one-shot aussi. Oh je one-shot pas. Oh je suis brûlé. Oh la chat qu'il a lui, c'est un truc de fou. Heureusement je viens de choper un guérison. Ok. Je fais plus de dégâts possible je pense. Attends, rapidage déjà, je vais lui mettre un petit Arbok dans sa race. Mais non mais il faut déflagration de toute façon. Pas très smart. Wow. Mais et le mec il me brûle genre H24. Ok, wing attack. Ouh. Mais ça me brûle. Attends mais quoi? Non mais lui il a une foufoune, c'est pas possible là. Comment c'est possible de... Oh vitesse extrême il a... Oh, merde, merde, merde. Inferno brûle à 100%. Ah bon? Attends, Inferno c'est pas déflagration? Ok, ok, ok. Osmorang. Ok. C'est bon. Normalement c'est win. Normalement c'est win. Firefang qui me tue pas. Mais je suis flinch. Ah, ah, ah. Let's go. Voilà. Espèce de petit chauve là. C'est Giovanni qui m'a dit de dire ça. Moi, je fais vraiment juste mon taf. Faut le savoir. Hein. S'il te plaît, essaie de comprendre. Mais il me donne 144 Poké-Dollars et ça m'empêche de dormir. Ok, ok. Il a pas l'air de comprendre ce Giovanni. Je crois que la Team Rocket... Mais maintenant que je suis d'accord. Un maître d'arène, je peux plus me permettre de travailler avec la Team Rocket. D'accord. Et maintenant. Le professeur Chen va me foutre la honte en public. Si je continue de travailler avec la Team Rocket. D'accord, en fait, là il y a deux camps. Il y a lui qui travaille pour la Team pour Giovanni avant. Y'a le professeur Chen qui lui empêche quoi. Ah, merci Finote. Très bien, très bien. Ok. Ok, je vais tout faire pour que le boss me donne une deuxième chance. Je vais te dire tout ce que je sais. Ok, 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 sympa. Est-ce que Giovanni t'a parlé de la mission il y a 11 ans? Il l'a fait, il l'a fait. Je vais te dire quelque chose. Ok. D'accord, le professeur Chen avait perdu foi dans le projet Mewtwo. D'accord. La catastrophe. Il ne pensait pas que Mewtwo pouvait gagner la guerre. Tu sais comment est-ce que je sais tout ça? Parce qu'il me l'a dit! Juste après la catastrophe Mewtwo, le professeur Chen m'a demandé de l'aide. Il m'a parlé d'un nouveau projet scientifique qui aurait du potentiel. Encore beaucoup plus puissant que n'importe quel Mewtwo pourrait. Ok. Il m'a dit qu'il avait commencé à travailler dessus en secret, dans un laboratoire séparé. Et qu'il avait besoin de mon assistance. D'accord. Pour l'instant, je vois pas de quel Pokémon il parle.
lui ai tourné le dos, d'accord, il a abandonné. Mais lui, c'est vraiment un traître de ouf. Hein. Il a trahi Professeur Chen, il a trahi Giovanni. Tiens, tiens, tiens. Écoute. Si t'arrives à convaincre ton boss, je ferai n'importe quoi. Ok, d'accord. Il va faire le plus de polygons possible pour nous faire un maximum de thunas. Ah, ok, on a la photo aussi, le professeur Chen et tout. Mais du coup, attends, c'est quoi le projet de professeur Chen? Il me l'a pas dit là. C'est la fusion? Mewtwo, mais en armure? Bah, il avait déjà l'armure. Genesect. C'est vrai qu'il y a Genesect. Mais c'est pas professeur Chen qui a fait Genesect. Laisse la clé de mon arène ici. D'accord, parce qu'il veut pas se... Ah, c'est pour ça qu'il avait laissé les clés dans Rouge Feu. Sauf que en fait là, Red va venir et va lui voler quoi. Enfin, va voler et va déranger pendant ses recherches. Je sais déjà comment ça va se passer, j'ai joué à Rouge Feu. Missigno. Mais non, mais Missigno les gars n'existe pas, hein. Je suis désolé. C'est dans votre tête ça. Il n'y aura pas de lore par rapport à Missigno. C'est vraiment juste un bug. Rien de plus. Le lore de fou. Ouais. J'essaie de traduire comme je peux, mais c'est assez dur en vrai. Hein. Même si t'es bon et tout, genre, déjà le lire dans sa tête, c'est compliqué, tu vois. En plus, je vais traduire instant. Attendez, on m'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Je dois aller à Cella de Paul? Ouais. Attendez, déjà, je vais soigner mon Pokémon au cas où. Oh non! C'est Red qui a pété la gueule à tout le monde! Mais non, il a déjà fait ça! Dans le lore! Ou c'est alors c'est à la Sylph? Red est revenu. Mais non, mais Red il est venu une fois! Non! Non, mais Red c'est tellement. Tellement une ordure ce mec! Non, mais moi je le dis, hein! On pourrait dire CSC! Mais non! Hein. Allez, vite! Qu'est-ce qui se passe? Te voilà, Joss Dark! Ok, tout s'est très bien passé dans tes missions récentes, n'est-ce pas, Joss Dark? On peut pas... D'accord. Candid Work. Oh là 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 là, j'ai fait encore du bon travail. Maintenant, les gars, je vous ai appelé ici... pour commencer la mission la plus importante de la Team Rocket. Ok. Grâce à vos efforts. Avec Monsieur Fuji. Levez monsieur. Ok. Il nous a donné quelque chose. J'ai pas trop compris c'est quoi bargain dans le lien. D'accord, la Sivku nous. Ok. Oh, on a réussi à créer la Master Ball. Ok. Pour capturer n'importe quel Pokémon du premier coup. C'est vrai que c'est la Team Rocket qui a créé la Pokéball, j'avais zappé ça. Enfin, techniquement quoi. Et on pourra recapturer du coup Mewtwo. Mais oh, on va nous la voler. Mewtwo. Sous le contrôle de Peter. Ce serait... Ah non, au contraire. Ok. Non, au contraire, je crois qu'on doit voler. Non, en fait, on doit voler la Master Ball pour empêcher Peter de prendre Mewtwo et d'avoir plus le contrôle de ce qu'il n'a déjà, je crois. En fait, on est les gentils dans l'histoire. Enfin. Et du coup, après, on va perdre et Red va l'avoir. Quoi. On doit avoir cette Master Ball. Tiens. Est-ce que j'ai été clair? Maintenant, allez à Saffron City. Ok. Mais je sais très bien comment ça se passait, j'ai joué à Rouge Feu, on va tous perdre. Putain, on est deux membres de la Team Rocket, on va tous perdre comme des petites... Merde! En vrai, je sais pas, hein. Peut-être pas, hein. Peut-être que je me trompe, hein. Je veux dire... Ah, mais je sais déjà qu'il y a Blue, hein. Dans ce... Comment dire? Dans ce bâtiment. Avec le low class et tout. Merci, Natsuko. Dans Rouge aussi, c'est Giovanni qui donne la Master Ball à Red. C'était pas le vieux monsieur pour l'avoir remercié de l'avoir sauvé?
Hey, Just Dark. Attends, quoi? C'est qui Petrel? C'est lui Petrel. Non, lui c'est Ronnie. Ah, c'est eux, ok, ok. My bad. D'accord, donc je dois avoir le... D'accord, ok. Je dois tenir en otage quelqu'un. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Mais moi, y'a aucun souci, hein. Je pète la gueule à qui vous voulez, hein. Nos espions... Ok. Il faut pas que je perde. Oh, nos espions nous ont donné la carte de qui. Nice. Ok. Nice, 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 nice. Nice. Là, je crois que c'est... Dans mes souvenirs, c'est étage 2... Non, pas étage 2. Oula, putain, y'a la police. Étage 3. Pff, mais attends, mais y'a la police là. Merde. Oh là là. Dégagez. Gênant la police, gênant. Très gênant la police. Ouais. Et là, c'est étage 3, il me semble. Quoi? Mais c'est là où je dois aller de base. Mais ils sont bêtes ou quoi? Mais. C'est là où je dois aller normalement. Merde. Je dois trouver un autre moyen d'y aller. Je peux pas. Merde. Ok, lui c'est pas gentil. Ouais. Oh merde, lui il a lévitation. Ok, il fait destruction à son âge. À son âge, hein. Il a 28 ans, il fait destruction. Hein. Quoi? Il m'a volé ma. Non, il m'a volé ma clé. J'ai pas eu le temps de lire. Je pensais que c'était un simple dresseur. Il m'a volé ma clé. Oui, 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 oui. Il y a tellement de dresseurs. Tu dois les enfermer. Ah oui. Ah d'accord, c'est moi qui ferme les trucs. Ok, pardon. Ah, c'est l'inverse en fait. Bah oui, toutes les portes sont ouvertes. Oui, d'accord, ok. C'est pour ça qu'elles sont toutes fermées quand il y a Red qui arrive. Ok, d'accord. J'avais pas compris. Ok. Attendez, j'ai la petite OST parce que je vais quand même accélérer, je pense, vu qu'il y aura beaucoup de combats. C'est pas spécialement intéressant, hein, je veux dire. Ah si, mais voilà quoi. Je vois que tu combats tous les scientifiques. Ok, ok. Et que je les enferme. Ok, ok. J'ai la ref, j'ai la ref. Fun en vrai. Fun en vrai. Alors, bah du coup, on va faire tous les étages, hein. Tu vois ce que je t'affrontais? Non. Mais putain, ils ont que des. Mais ça mange pas! Putain, ils ont que intimidation! Nice. Niveau 41. Bon, c'est un truc de zinzin. Comment il est fort, hein, Krabby. Hein. Même s'il a 10 levels d'avance et tout, vraiment il est fort. Hein. Non. Toi, je t'ai déjà affronté. Ok, donc là, j'ai déjà fait cet étage-là. Je vais le faire à la main. Hein. Je vais faire l'étage un par un, hein, je pense. Pour pas les oublier. Toi, je t'ai tué ou pas? Non. Ok, étage 4, y'a rien de bien intéressant. Krabby Challenge, bah dès qu'un type feu, je suis dans la merde quoi. Mais bon. Il y a beaucoup de faiblesses quoi. C'est dans quel jeu cette musique? Épée et bouclier? Elle est trop bien. Elle est vraiment trop bien la musique. Ouais, je critique beaucoup mais. Très sympa. Ok, il s'était caché ici, lui, on s'en fiche. Ah, lui, par exemple, on va lui péter la gueule. Ça fait longtemps que j'ai pas volé de Pokémon. Mes Pokémon commencent à être un peu faibles. Hein. Les croix. Merde. 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 Ok, ça passe. Voilà, je l'ai pris en otage. C'est trop bien en vrai. D'être une ordure. Enfin, je veux dire. Ça change quoi. On pétait la gueule à tout le monde, c'est avec plaisir. Hein. Ok. Voilà. Petit nerd là. Mais toi, t'étais là. Pourquoi t'as pas. Pourquoi il a pas tué l'autre? Merci Atomix. Oula.
Ça va toi? Oula, il a très stressé lui. Très 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 stressé. Ok. On va te one shot toi aussi. Hop. Je sais pas trop où sont les scientifiques. Là je tue tout ce qu'il y a sur mon passage mais... Putain, c'est horrible là depuis que j'ai plus un Pokémon de type sol là, de cette tueur. Très compliqué hein. Ok. Merde, mais du coup là je me suis perdu dans mes étages. Oh là là. Est-ce que j'ai fait cet étage là? Oh là là. Oh là là. Complètement perdu le man. Oh. 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 Ça va soigner. Je tue tout le monde évidemment. Vous savez c'est mon métier maintenant de tuer tout le monde. J'en ai marre de recevoir les notifications en retard. Bah en vrai, peut-être que Twitch déconne. En tout cas je sais que si vous mettez les notifs sur Twitter, bah il y aura pas de comment dire, pas de hasard quoi. Genre Twitter vous avez direct la notif. Et en vrai je tweet pas beaucoup donc vous serez pas spammé par d'autres choses ou quoi. Voilà. Donc, je vous conseille en vrai de mettre les notifs sur Twitter. C'est vraiment le plus simple. Ou rejoindre le... Oui sur Discord aussi. Mais après Discord ça met peut-être un bon 10 minutes hein. Un bon 10 minutes hein, à arriver hein. Genre les gens qui viennent de Discord généralement ils disent salut, ça fait déjà 20 minutes de live quoi. Après c'est ça va hein mais... Si vous voulez être là vraiment à la... Au début. Je vous conseille peut-être ouais. De mettre les notifs Twitter. T'as pas des horaires habituels? Non, jamais. Jamais, mais vu que c'est la rentrée, je pense que oui, je ferai un programme. Mais pendant les vacances, non, je stream généralement la journée, quoi. Mais après, ça dépend de plein de trucs, je veux dire, là, avec Sneeze et tout, vu que... Bah, ça dépendait pas de moi. Oula, je vais perdre, là. Oula, j'ai perdu le combat. Vu que, avec Sneeze, j'ai dû m'adapter à Sneeze, quand même, pour qu'il puisse travailler et live et tout. Bah du coup j'avais pas les mêmes horaires mais généralement c'est la journée et je cut vers 19h-20h. Mais là vu que ce sera les horaires de cours je streamerai peut-être plus de 17h-22h en semaine. Et plus genre vers midi 18h les week-ends. Et aussi les mercredis je pense. Mais vous verrez je pense que je mettrai les programmes. Il y a 11e étage. Ah oui, on y est. Vous verrez les programmes sur... Bon, encore une fois, Twitter, Insta... Encore une fois, hein. C'est quoi que tu donnes de la visibilité à Sneeze? Les gars, Sneeze est beaucoup plus connu que moi, hein. C'est lui qui me... Enfin... Après, il fait pas de vidéo, j'allais dire, c'est lui qui me donne de la visibilité, mais c'est pas comme s'il a fait des trucs avec... sur sa chaîne, mais... Jossplay ne donne vraiment zéro visibilité à Sneeze hein. Je pense que vraiment tout le monde connaissait Sneeze avant même Enfin il y a quand même des vidéos à 4 millions de vues. Donc C'est à dire que ma chaîne entière YouTube n'a pas 4 millions de vues. Il a 4 millions de vues sur une vidéo. Enfin je crois hein, attendez, on peut regarder ma chaîne mais je crois vraiment que genre pour vous rendre compte à quel point Sneeze est connu quoi. Ah si ok. En tout sur ma chaîne j'ai 10 millions de vues. Donc lui en 3 vidéos il a fait toute ma chaîne. Pour vous rendre compte le bail. Il est vraiment connu Sneeze. Ouais, 9e étage. Ouais. Et je. Mais en fait, là, il faut que j'enferme les mecs de la. Bah, de la team. Enfin. Oh, what? No way, dude! Jure! Incroyable! Je pensais pas du tout! Trop bien! Oh, il a le talent technicien. Du coup Wing Attack fait grave des dégâts. Poursuite fait grave des dégâts. Ah mais du coup X Caesar fait pas beaucoup de dégâts. J'aurais dû prendre incroyable par contre. Là je me suis vraiment mis bien hein. Oh je pensais pas qu'il allait évoluer par level du coup. Mais c'est incroyable.
C'est vraiment cool. Vraiment content. Très content. Ah, c'est vrai que j'ai plus le stab de Wing Attack, putain merde. C'est vrai que j'ai plus le stab de Wing Attack. Trop chiant. C'est vrai que c'était bien d'avoir Wing Attack stabé. Mais bon. Après, ça m'empêche pas de les one-shot, donc ça va. Les gars, avec Knight, vaut mieux poursuite, non, avec Technicien que Knight Slash. Je veux quand même Night Slash, mais je suis pas sûr. Oula, là y a un scientifique. Là y a personne enfermé, genre. Ouais, genre là par exemple, là j'ai perdu le stab, du coup ça one shot plus forcément. Ok. Ah, y a lui. J'avais pas fait. Je crois que c'est tout, hein. Après, j'aurais fait tous les... De toute façon, je crois que j'aurais un truc. Je l'ai bien fait. Je pense que sincèrement que j'aurais un truc quand... Non. Mais j'ai pas fait quel étage. 7e étage, on l'a déjà fait ou pas? On l'a pas fait. En vrai, là, on est bientôt à la fin de l'arc Team Rocket, hein. Par contre, je suis en train de me dire... Est-ce que ce serait pas... L'arc final de la Team Rocket? Enfin, après, il y a Mewtwo, quoi, mais... Après, la Team Rocket va être dissoute. Dans le jeu, de base. En gros, technicien double la puissance d'attaque inférieure ou égale à 40. Ah, c'est que... Ok, d'accord, je pensais que c'était inférieur ou égal à... Ok. Je pensais que c'était plus, je pensais que c'était 60. Il restera des adhérents. Bah il restera... En tout cas pas Giovanni, Giovanni va... Oh, là il y a un scientifique là. Là il y a un scientifique, effectivement. Crunch, super efficace. Crunch, encore. Crunch, voilà. Ok. Je me demande en vrai ce qui va se passer. Non, en termes de lore pur, hein, évidemment. Ok. Mais là, j'ai tué tout le monde, là. Enfin... Je comprends pas là, ce qu'il me reste à faire, là. Tintin. Merci chez Inux, merci Tomito. Merci beaucoup à vous deux. Ok. Excuse-moi. Perdu moi. 8e étage. On a fait le 9e. On a fait le 9e, il me semble. Même on peut dormir avec la meuf. Enfin, grâce à la meuf, on peut dormir quoi. Ok, 9e étage on l'a fait. 10e? 10e on l'a fait? Bah c'est bon. J'ai tué tout le monde, non? Est-ce que là du coup... Voilà, il n'y a plus personne ici? Non, si? Ah, il y a moins de monde là! Ah non? Ah ok, et lui c'est le dernier à affronter, ok d'accord. Ok, bon quand même. Padapapapapa pipidibi pidibi papapapa ta 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 ta. Ok, lui c'est le dernier. C'est l'originel. Je l'enferme, et là on est au lore. Tu vas leur montrer ce que c'était que la Team Rocket. Donc du coup maintenant on doit aller à ce téléporteur là.
Oh mon dieu. Oh mon dieu, est-ce que je suis full vie ou pas? Ça va, ça passe, ça passe, ça passe. Oh, il y a le professeur Chen ici. T'étais le jeune de la Team Rocket à qui j'ai parlé à l'avant-ville. Donc c'est vrai que la Team Rocket a envahi le bâtiment, c'est ça? Putain de merde! Un jeune homme comme toi qui gaspille son énergie dans cette violence, dans ce chantage. Quelle honte! Bonne journée. CSC. Voilà ce que je dis. CSC. C'est un ouf ou quoi? Oh, y'a Léo? Pourquoi, Josplay? Enfin, quelle surprise! J'étais justement en train de finir une négociation avec mon super ami. La Master Ball est pratiquement prête pour le marché. Tu veux savoir ce que ça veut dire? Le Pokémon le plus rare et le plus puissant de l'existence sera mien dans quelques secondes. Non, je rigole. Je sais pas du tout ce qu'il a marqué, mais. Moi, j'interprète comme ça. D'accord. Prends une copie. Tu as fait un bon travail à envahir ce bâtiment. Mais vous êtes trop lent. Et je suis désolé. Mais je n'ai aucune loyauté envers la Team Rocket. Ni personne. Le prototype est mien. Quoi? Quoi? Tu me trahis? Mais on était potes? Joss Dark! T'es beaucoup trop loyal, espèce d'idiot! Bon, je vais pas dire que j'ai pas vu ça venir. Ok, arrivé. Putain, mais j'affronte Léo! Mais aussi, si tout le monde trahit tout le monde! Oh, très beau sprite! Très bel homme, Léo! Il a un Porygon. Ah, ça m'étonne pas. 42! Waouh! C'est un zinzin! Level 42, c'est un truc de zinzin! Ok, play croix. Wing attack. Allez, play croix. Évidemment que ça tue, garçon. Évidemment que ça tue. Lapras. Lapras. Donc, ah, mais. Non. C'est lui le class. XP après. Non. Vu que je peux voler des Pokémon, je n'XPerai pas une seconde. Je volerai des Pokémon plus haut level et voilà comment ça va se passer. Ok. Je joue un personnage de la Team Rocket si ça ne se voyait pas assez. Ok, là il a un Dragonair. Bon, Dragonair, ça me fait pas peur. Hein. Voilà, Pécroix. Pécroix encore. Il a un Kangaroo. Ouais, Kangaroo, ça me fait pas peur. Hein. Pécroix, hein. Je suis désolé. Hein. Fais-moi Kuba autant que tu veux, mon ref, mais Playcroix, c'est fini, toi. Pinsir. Ok, cruel. C'est win, là, pour moi, non? Bah ouais. Et Krabi est trop fort. Oui, c'est ça, fais dans Slam. Nice, 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 nice. Léo, t'as déconné! Pourquoi t'as voulu avoir Mewtwo, le pouvoir, tout ça? Non, Joss Dark! Tu ne vois pas que t'es en train de déconner là? De tout foutre en l'air! Je peux pas y croire. J'étais pas. Ok. J'étais si proche! Si proche! Je reconsidérais le plan. Joss Dark! Imbécile! Ok. Hein? Regarde. Il y a tout l'argent que tu veux dans cette. Ok, mais moi je veux pas l'argent, moi. Non, 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 non.
I just have Susie. Yeah, write you a check. Ah, il veut m'acheter. Non mais moi on m'achète pas, t'es un ouf ou quoi? Tu ne peux pas, ok. Tu ne peux pas juste nous acheter, mais non. C'est Giovanni! Giovanna! Just Dark! Quel travail incroyable tu as fait. Viens ici, un moment. Quoi? Ouais, c'est ça, c'est moi, c'est ça. Excellent travail, Just Dark! La Master Ball est finalement nôtre. Tu as prouvé ta loyauté, tu as prouvé que t'étais un membre indispensable de Team Rocket, tu... Non. Je suis un exécutif de la Team Rocket? OMG, non mais là je commence à avoir un grade les gars. Je sais même pas si... N'en dis pas plus, Just Dark. C'est quoi la crowbar? C'est un pied de biche? Là t'es le sous-chef. Non mais d'accord, donc c'était bien un billet de biche. Mais je dois faire quoi avec ça, je comprends pas. Enfin, je vole des Pokémon, mais je vais pas. Je vais finir les négociations ici. Oh non mais le bel homme que je suis devenu. Hein? Je dois me reposer. Mais j'ai pas envie de me reposer, chef. Chef! Giovanni, Red il arrive, va te péter la gueule, j'ai joué à rouge feu. J'ai joué à rouge feu. Je sais très bien ce qui va se passer. Oh là là, le flow que j'ai par contre, c'est un truc de zinzin. C'est trop un truc de zinzin le flow que j'ai. Hein. Respectez-moi maintenant. Oh, putain, et quand je pense que le mec du début est resté un sbire. Oh, il me félicite! Mais il est jaloux. Incroyable! Il t'a promu exécutif? C'est pas possible. Mais je suis sûr que c'est bien mérité. Attends, mais c'est des bons de ouf, en vrai. En vrai, mes collègues, c'est des bons de ouf, hein. Oh non, c'est l'autiste. Oh non, 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 il parle pas, lui. Bah ouais. Oh merde, je l'ai laissé passer. Oh merde, on m'appelle. C'est Léo. Just Dark. Oublie tout ce que t'es en train de faire. Et rejoins-moi au labo. Sur l'île. Et juste à côté du centre Pokémon. Le plus vite que possible. J'ai pas le temps d'expliquer. Mais attends, mais arrête, tu es en train de péter la gueule à tout le monde. Putain de merde. Putain, pied de biche pour voler à tout le monde, vous pensez? Oh merde, il est là. Attendez, je vais me heal. Parce que... Mais attends, mais on vient de s'affronter, on est plus potes. Te voilà, Just Dark. Viens voir, y'a pas de temps à perdre. Mais, attends, mais pourquoi je lui fais confiance? Mais mon personnage est trop bête. Viens ici. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Oh, Monsieur Fuji? Léo? Qu'est-ce que je dois faire ici? Attendez, là, y'a tous les scientifiques. La ferme, Monsieur Fuji! Le projet qu'on est sur le point de réaliser est bien plus grand que ta vengeance personnelle. Tu comprends? Maintenant, on devrait être prêt. Assieds-toi, Just Dark. Et commençons à parler business. Mais je viens de te péter la gueule, on n'est pas potes! Écoutez-moi! Il semble que le seul prototype de la Master Ball va tomber dans les mains de Giovanni. Mais bref, ok. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais quel est le mal? Giovanni, c'est mon pote. Si on ne peut pas avoir le prototype de la Master Ball, pourquoi pas le créer nous-mêmes? C'est notre unique chance de capturer un des Pokémon les plus puissants de l'existence. Et je ne vais pas vous laisser la gâcher. Oh là là.
peu d'eau, ça fait du bien. Ok, merci Hichem. Ok, donc qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? C'est pour ça que tu nous as amené ici? Une autre expédition pour essayer de capturer Mewtwo? C'est ridicule, ça ne va jamais marcher. Pour le coup, c'est vrai que ça va jamais marcher. Hein. Il a raison, tu sais. Tu te rappelles de la génétique du make-up de Mewtwo? Son eyeliner. Même la Master Ball n'aura pas de chance de capturer Mewtwo. Ok. Je ne parle pas de Mewtwo. Laissons Peter et Giovanni continuer de se battre par rapport à ça. Attends, il parle de qui? Vous ne voyez pas? Attends, mais il veut qu'on capture qui? Je comprends pas. Mais Léo, j'espère que tu parles pas de... Et si, maintenant, écoutez-moi. Mais il parle de qui? D'accord, on peut capturer des Master Ball. Enfin, créer des Master Ball apparemment. C'est pourquoi tu es là, Jazz Dark? Je vais avoir besoin de ton aide. Je déteste demander des faveurs à n'importe qui, mais bon. Je te promets... D'accord. Numéro 1. Loin dans la forêt de Viridian, il a planté une... D'accord, ok, un truc de Johto, ok, ok. D'accord, ok, c'est pour crafter la Master Ball, ok, d'accord. Deuxièmement, et le plus important... ok, il a besoin de ça. Attends, quoi? Mais là, je vais trahir la Team Rocket. Attends, mais il me demande de trahir la Team Rocket, là, lui donner les codes et tout. Putain, je dois faire ça? Oui, il y a une noix agrume spéciale et je dois lui donner les codes dans le QG. Bon, déjà, je vais chercher la noix agrume, ça risque d'être assez rapide en vrai, hein, c'est dans une forêt. Mais wesh. On est toujours sur Pixelmon. On peut pas crafter la... Même la Master Ball n'est pas craftable dans Pixelmon. Je suis super premier degré, mais bon. Ouais. Où est-ce qu'elle est cette noix agrume? Il a dit bien au fond. Elle est là. Oh, c'est Silver! C'est le fils de Giovanni, Giovanna! Ah, tu es... Oui, d'accord. Il donne tout son temps à ce petit... à sa petite bande, là. Et jamais à moi. Et maintenant, tout est en train de tomber en ruine. Il est numéro 1 dans le monde. Et même pas... il peut même pas se défendre lui-même contre les petites choses. Quelle blague! Non mais Silver, lâche ça. Hein. Ok, allez hop. On a récolté le truc de Master Ball. On m'appelle. Ouais. Ok. Oula, il s'est passé quelque chose, il faut que je retourne au QG de Celadopol. Oh là 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 là. Oh c'est Red, il leur a pété la gueule. Aïe, les gars, je crois que c'est Red. Hein. Oh mon dieu. Giovanni. Qu'est-ce qui s'est passé? Bande d'incompétents! J'espère que Giratina vous ramènera en enfer! Quoi? Cet enfant nous a tous détruits un par un! Jusqu'au chemin du président. Et il est parti avec le prototype de la Master Ball! Oh merde. Oh là, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense, hein? Oh là là. C'est une humiliation publique. Est-ce que quelqu'un pourra... Oh là là. Regardez la Team Rocket de la même façon maintenant. Putain de merde. Oula, Ronnie va se faire défoncer.
Tais-toi! Toi. Non, qu'est-ce qu'il y a? Espèce d'incompétent. Oh non, non, non. Je te donnais plus d'avertissements que tu devrais, petit sbire. Je vais péter la gueule quand même. Oh, il a tellement merdé. Oh là là, il a tellement merdé lui aussi. Il a pris ma carte et tout parce que je voulais l'aider. Et en fait, il a fait tomber la carte juste sous les yeux de Red pour que Red là, il nous pète la gueule. Non mais lui. Non mais lui, il fait que des conneries. Hein. Que des conneries, hein. Tu déconnes, mec. Putain. Assez. J'en ai vu assez. J'en ai assez. Non. Ouais, 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 ouais. Nidoking, prépare une attaque. Non, non, non. Non, Ronnie. Tu n'es pas... Tu n'as pas le droit d'avoir ce R imprimé sur ton... Sur ton torse. Je ne veux plus jamais te voir. Dégage! Non, Ronnie? Mais Ronnie, c'était mon rival, c'était mon pote. Ronnie. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Les filles et les garçons. C'est parce que il y a une chose dont on est sûr. Ce raid là, ce sera la dernière fois qu'il nous cassera les couilles. Ah bon? Écoutez-moi, nous allons relocaliser la Team Rocket dans l'arène de Jadiel, il me semble. Ouais, c'est Jadiel. Ou Argenta. Argenta, plutôt. Allez, on évacue ce bâtiment immédiatement. D'accord, donc la prochaine fois qu'on s'habille et tout, on dira directement dans l'arène. Ok, mais d'ailleurs, il fallait pas que je vole quelque chose ici. Il fallait pas que je vole quelque chose. Jadiel. Ouais, ouais, mais moi je confonds Jadiel et Argenta aussi. C'est ça mon problème, en fait. Bah oui. Déjà, je vais lui donner un agrume et il va me dire ce que je dois faire parce que je me rappelle plus exactement. Voilà. Go find that Pokéball. Alors, ça devrait être dans le laboratoire. J'ai rien compris. Attends, quoi? Dans le laboratoire on the top floor of Rocket Headquarter. Merci, Nolot Banan. Je comprends pas trop. Là, il parle d'un... Il parlait d'un... J'ai pas la ref. Dernier étage. Donc tout en bas. Effectivement. Dans ma tête, quand on dit dernier étage, moi c'est tout en haut, mais vu que c'est vers le bas. Oula. Je sais pas comment faire, moi. Au sous-sol du quartier général. Ok. Attendez. Coin case. Est-ce que c'était ça ou pas? J'ai chopé une coin case. Ok, et je crois que je suis jamais allé ici. C'est à la sylph. Mais non, la sylph, les gars, c'est pas notre QG, la sylph. La sylph, c'est jamais notre QG, les gars. T'es obligé d'aider Léo. Ah, c'est une bonne question. Putain, j'avoue, mais je veux bien l'aider, ouais. En vrai, j'ai bien envie de savoir de quel Pokémon il parle. Azuria. Attends, je vais relire ce qu'il m'a dit parce que j'ai rien compris. Si la sylph appartient à Team Rocket. Ah, pourquoi est-ce qu'on a pris en otage le président alors?
in the lab on the top floor. Donc déjà, donc c'est sur l'étage of your rocket headquarter. Rocket. Mais moi c'est ça le QG hein. Non, c'est le casino. Non. Ah oui, j'avoue que l'étage là, techniquement c'est le casino. Va tout en bas à l'escalier avant l'ascenseur. Ah, c'est vrai qu'il y a un escalier ici. Oh, oh, j'y suis jamais allé. Bien vu, bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Très bien vu. Oula. Hé, toi. Bah les pattes. Je l'ai vu en premier. Bah. Mais t'es bête ou quoi? Mais c'est un ouf. Non, ça, la porte a pété les plombs, toi. Non, lui, il a pété les plombs. Il a vraiment cru. Attends, en plus, si je peux le voler. Est-ce que je peux voler tout le monde maintenant, vu que je suis un monstre de puissance, théoriquement? Bah, j'espère. Hein. Peut-être que double cours était super fort avec le talent. Avec le talent. Oh oui, je peux voler tout le monde. Bah, Tentacruel. Honnêtement, je pense que le Pokémon dont j'ai le plus besoin, c'est Tentacruel. Même si je sais qu'il y a magma et qu'il y a beaucoup de magma sexuel. Bah, c'est les Vora. Tentacruel Surf, ça va être très très bien. Merci, Denzei Rito. Un an si. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mec. Ok, là j'ai tout. Je me demande ce qui va se passer. Hein. J'ai hâte. Alors, move Pokémon. Alors, il était niveau combien, Tentacruel? Mais oh, niveau 37. Vraiment, XP tes Pokémon. Mais pourquoi XP mes Pokémon, mon ref? Vraiment. Alors que je peux voler des Pokémon beaucoup trop fort. Moi, je suis vraiment de Team Rocket, hein, faut pas l'oublier. Juste réapprendre Surf. À la place de Water Pulse. Et là, on est très très bien. Ah, c'est bon. Tiens. Allez, j'espère qu'il va pas me niquer hein, dans l'histoire. Hein. Parce qu'il y a moyen qu'il me nique. Hein. Alors. Hey. On est prêt pour la production. Oula. Eh bien. C'est fait. Magnifique, c'est ça? Bon, allez. Mais du coup, qui la prend la Master Ball? Bah, je la prends, hein. Le Pokémon qu'on est en train de. Enfin, qu'on a dans le viseur, c'est. Il n'y a qu'une seule personne dans le monde qui sait où il est. Où il se cache actuellement, d'accord? Mais c'est quel Pokémon? Et le nom de cette personne, c'est Shigeki. C'est ça, je play. Shigeki était le. Et t'es la dernière personne qui a travaillé avec nous sur le Mewtwo Project. Personne n'a vu ce mec depuis presque 10 ans. Any guess? D'accord. Ok, Plichiclone, ok. D'accord. Où est-ce qu'il est en fait? Je connais Mewtwo, je sais qu'il peut faire plein de choses incroyables, lire dans les pensées. Ah, bah non, du coup c'est cool en fait, parce que si on capture Mewtwo, et ben on va pouvoir en fait, il va pouvoir nous mener à Shigeki en fait. Oula, j'ai la Master Ball. Oula, je dois capturer Mewtwo. Just Dark. Cette Pokéball.
Ça ne peut pas capturer Mewtwo sans son consentement. Mais est-ce que Mewtwo sait ça? Je sais pas. Va dans la cave et va chercher Mewtwo. Mais les gars, jamais je peux capturer Mewtwo aussi. Oh, attendez, mais là je risque ma vie. Là Mewtwo, s'il s'énerve, il va me tuer. Oh my god. Oh my god. Et ça part tellement en yux. C'est parti en couille, hein. C'est parti vraiment en couille, hein. En même temps, c'est raid, hein. Mais raid, c'est une ordure aussi. Que voulez-vous que je vous dise? Raid est une ordure. Normalement, c'est raid. Cam Mewtwo? Bon, on va voir comment ça va se passer. On va voir comment ça va se passer, mon ref. Personne n'a le droit de rentrer ici. Ce sont les règles. Règle de quoi, toi? Je vais te péter la gueule, t'es un ouf ou quoi? Dégage du club! Arcanin, et ben maintenant j'attends ta cruelle. Qu'est-ce que tu vas faire, surf? Quoi? Un peu décevant. Carrément décevant. Ok, voilà. Il a un Arbok. On va mettre tueur super efficace, évidemment. Voilà. Il a un Parasect. Ok. Est-ce que je peux voler les Pokémon de top dresseur? Oh, je peux voler dresseur à n'importe qui. Je prends Arcanin. Direct. Allez hop. J'ai volé un Arcanin. Hop là. Dégage maintenant. Bon, le fait de vouloir voler les Pokémon à n'importe qui, c'est un truc de zinzin. C'est un truc de zinzin. Bah, attendez, au pire, je vais chercher vite fait. En vif, on va chercher Arcanin. En vif, hein. Ouais, alors. Niveau 39 en plus. Arbok pue la merde, hein. Après, Arbok me permettait intimidation, mais bon. Oh là là. Dégagez tous. Pff, ça va être dur, hein. Bon allez, je peux le faire. Oh non, mais je m'en rappelle jamais. Oh, je m'en rappelle jamais. Je ne me rappelle jamais. J'enlève le son du jeu et je... Parce que je vais accélérer, mais... Préparez-vous, les gars, à... Voilà. À un homme qui voilà, qui n'est pas ultra à l'aise dans les labyrinthes, qui... Ouais. C'est sûr que c'est pas là. Alors, probablement ici, non. J'ai l'impression que c'est exactement la même configuration par contre qu'il y avait sur EarthGold et SoulSilver. C'est censé être la même configuration que sur EarthGold et SoulSilver. Attendez, je suis en train de faire quelque chose de bien là. Je suis en train de gérer. Je suis en train de gérer. Je suis en train de gérer. C'est Mewtwo en bas. C'est Mewtwo. Je gère bien. Hein. Après, on n'a pas besoin d'utiliser Flash. J'utilise les Flash. Pour Mewtwo. C'est le Pokémon le plus stylé. Ok. Oh putain. J'espère pas j'espère qu'il va pas me tuer, hein. Donc, tu es venu. Je t'attendais. Joss Dark. Quoi? Le scientifique qui t'a amené ici. Tu pensais que mes pouvoirs psychiques seraient affaiblis avec les années passées? C'est une énorme erreur. Je suis plus fort, plus bodybuildé, des plus grosses veines que je l'ai jamais été. Waouh. Même la Master Ball ne marchera pas sur moi.
Je pourrais te couper le bras là si j'en avais envie. Wow, ça. Mais bon, je pense que je préférerais une bataille exceptionnelle. Un énorme combat Pokémon, ça m'amuserait plus. Et si tu me bats, je te dirai où il est. Ok, d'accord. C'est ce que je recherche, quoi. Bah, en vrai, j'ai un sécateur, enfin j'ai 6 Aiox. Jamais de la vie, Mewtwo peut me battre. Hein. Oh là 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 là! Sauvegarde. Vous êtes des zinzins. Ah, il est niveau 70, merde! Ah, je sais pas en fait. X-Scissors? Ok, il fait amnésie, c'est pas grave, il a oublié quelque chose apparemment. Ça augmente beaucoup sa défense P, il me semble. Ouais, c'est sa SP def, donc je m'en fiche. Ok, ça c'est super efficace. Stabé, hein. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ok, il augmente la défense de son équipe, ça me fait un peu liège, mais ça va. Oula, je fais plus tous les dégâts. Ah, je suis obligé de faire X-Scissors. Oh là là, il met tous les screens. Arrête d'augmenter ta défense, garçon. Tu vois bien que je suis en train de te tuer. Mewtwo, t'es beaucoup plus intelligent ou quoi? Allez, toi. Psycho, oula. Est-ce que je résiste à Psycho? Aïe, 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 aïe. C'est win. Non mais Mewtwo, il était persuadé d'être un bon Pokémon pendant une seconde, hein. Sacharabedirana. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Très très bien, Joss Dark. Je vais te dire ce que tu veux savoir. Ok. Où est-ce qu'il se cache Shigeki? Il me plaît. Il se cache où Shigeki? Il se cache où? Ah, il me permet de voir. Shigeki, tu vois, était un vieil homme. D'accord. Ouais, c'est Shigeki lui. Quand la guerre a été enfin finie. Dégoûté et apeuré par rapport à la chose qu'il venait de créer, il s'enfuit. Hein. D'accord. Il a abandonné tout ce qu'il avait. Tout son passé scientifique. D'accord. D'accord, ok, d'accord. Il faisait grandir la petite fille. Enfin, ok, ça... Ouais. Quoi? Aujourd'hui, c'est le vieil homme qui donne les Pokéballs. Enfin, qui t'apprend à capturer et qui se bourre la gueule en plein milieu de la route. Oh là là. C'est tout. Ok, il s'entraîne pour son prochain... Intéressant en vrai. Le lore, hein. Le lore. Putain. J'ai pas récupéré une corde de sortie moi, non. Salut Mewtwo. Dinguerie. C'est un peu un truc de zinzin, hein. C'est-à-dire que là depuis le début, dans Rouge Feu, c'était le créateur de Mewtwo. Le mec... Non. Il est où ce vieil homme? Toi là! Hé hé hé! Jeune homme! Si tu as besoin d'aide pour capturer des Pokémon... Ah. Oh. Oh là là. Je savais que ce jour allait arriver. Un jour ou l'autre. C'est bien ça, jeune homme. C'est moi. Mon nom est Shigeki.
Ça fait une décennie que personne m'a appelé par ce nom. Viens à l'intérieur si tu veux bien. Bien, bien, bien. Après toutes ces années. Confronté par Peter. Enfin, je ne suis pas confronté par Peter, mais par la Team Rocket. Ah, c'est donc Léo qui t'envoie. J'aurais dû voir ça arriver. Mon cher, je vais te donner toutes les informations dont tu as besoin. Mais s'il te plaît. Ok. J'ai une famille à protéger. Arrête de chouiner. Est-ce que je lui promets? Bah si je lui promets pas, il va pas me dire. Je suis obligé de lui promettre. Bah les gars, si je lui dis pas, il va pas me dire. Moi de toute façon je respecterai pas ma promesse, je suis un mec de Team Rocket, hein, vous savez. Bon, je suppose qu'il est temps. Donc tu connais l'histoire, je suppose, le projet de Mewtwo, etc. D'accord. Oui, 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 réarranger le programme Mewtwo, enfin Mew pour refaire un Mewtwo, oui. Ça allait être l'arme ultime de guerre, ok. D'accord, il y avait plein de bugs dans le programme, ok, okay. Je n'ai pas réalisé l'idée de ces glitches, d'accord. Mais de quel Pokémon il parle? Juste avant que le premier spécimen soit prêt, sous nos yeux, la catastrophe. C'était une abomination. Surpuissante, oui, mais incontrôlable. C'est quoi ça? Mais c'est qui lui? Oh merde. C'était quoi comme Pokémon? Ok, il s'est échappé de façon violente. Donc c'était pas Mewtwo lui hein. Oh! On a pu le repérer. Ok, ok, ok. Tiens, tiens. Ah d'accord, mais la vérité c'est qu'il savait très bien. Oh! D'accord, il a dit un mensonge aux autres. Que la catastrophe était cachée rien que sous nos yeux. La créature, d'accord. Mais je vois pas de quelle créature il parle. Hein. C'est la scène. Stupide. Ok. Ça nous avait tous traumatisés. Une chose aussi incontrôlable. D'accord. Ok. Ok, d'accord. Il me laisse capturer le monstre. Mais si je foire, ce sera la fin du monde. En gros. Oui, je suis prêt, moi. Arceus saute avec nous. Donc je vais aller à et surf à l'est. D'accord. Donc là techniquement il est à l'est de ça. Tiens tiens tiens. Oh. Oh mon dieu les bugs. Quoi? Ça m'a fait descendre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce miel? The fuck. Tout est bugué. Attends, mais comment est-ce que je passe ici? Il doit y avoir un trou, hein. Là, il y a un trou. Quoi? Je vais passer par le dessus. Ouais, ouais, ouais. Oh, là aussi, ça... Oh, wow. Wow.
Voler quel Pokémon? Je sais pas. Ah! Je l'ai supprimé! Merde! Attends, c'est moi, wesh. Oh, y a un monsieur ici. Je sais pas ce qui s'est passé ici. Aidez-moi. Ah, il a disparu, mais tout le monde meurt sous mes yeux. Ça va, toi? J'aime les shorts, je les trouve confortables et Ok, bon, lui est toujours là, lui. Comment est-ce que je pourrais aller à l'est? Ça va? C'est moi, wesh. Hello. Mon nom est Jostar. On peut toujours pas passer ici, on est d'accord. Ok. Je peux pas aller à l'intérieur de ça? Ah si, bien sûr, mais c'est bien sûr. Attends. Ok. Mais là je peux pas surfer, ils me disent. Dommage parce que ça m'aurait emmené à droite. Si je fais ça. Comment est-ce que je pourrais surfer ici? Là je peux pas. Baxi tonneau, évidemment. Évidemment Baxi tonneau. Genre quand je dis comment, je pose la question à moi-même hein. C'est, si vous avez déjà fait le jeu par cœur et tout, n'hésitez pas, ne pas me spoil au risque de vous faire ban def et après de pleurer pendant évidemment des années. Oh d'accord, ok. Merde putain, ils disparaissent tous sous mes yeux. Bon après c'était pas une grande perte mais... Et je comprends pas comment est-ce que je pourrais surfer à l'est. Attends, y'a rien. Lui il veut juste me donner un Pokémon qui a surf, ok. Ok, je me heal quand même vite fait. Ici y'a rien qui a changé, bon tout est normal. Ici y'a un vieux monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Missing No a été créé. Master Ball, est-ce que ça marche sur lui? Oh putain, le lore! Oh là là, le lore! Sur Mewtwo. Non, je vais pas lui donner son nom hein. Je sais même pas il est de quel type. C'était terrifiant Jeuse Dark. Oh non, c'est un signo. D'accord. C'est purement terrifiant. Putain, on a risqué nos vies. Mais il est si puissant que ça. Personne pourra nous stopper dans la domination du monde. Ah, tu dis que t'en as rien à faire de la politique, Bill. Mais tu es aussi... T'es aussi un vice-là. Le reste d'entre eux. Comme ça, quoi. Oh, merde. Hey, tu es le mec de la Team Rocket, là. La tour. J'ai remarqué qu'il t'a fait des changements. Oh merde. Si c'est ce que j'ai fait à sa sœur. Enfin. Bref. Hein, quoi? Tu l'as capturé? Est-ce que tu pourrais me montrer à quoi il ressemble? Non, ça ne peut pas. J'ai vu ce Pokémon auparavant. Et c'était il y a très longtemps. Quoi?
Comment ça, tu l'as déjà vu? C'est impossible! Où est-ce que tu l'as déjà vu? Je me rappelle pas vraiment, j'étais juste un enfant. C'était dans la base. En dessous du laboratoire de grand-père. Où il faisait les... Oh là là. Il faisait ses expériences. Non mais le professeur Chen, c'est une ordure. C'est une ordure. Attends quoi? Ok, il nous en a jamais parlé. Juste, c'est derrière le bouton se trouve derrière une bibliothèque. Un livre de la bibliothèque. Ok. Donc là, on y va? Ok. On va y aller. Juste prendre Missigno dans mon équipe quand même. Se marie? Il est type vol, point d'interrogation. Oui, il y a une grosse attaque SP, hein. Super glitch? Je vous propose de mettre Missigno dans notre équipe. À la place de... Bah attends, s'il les vole en vrai, à la place de Spyro, hein. J'espère qu'il peut apprendre vol. Il est pas capable d'apprendre vol. T'es un menteur, t'es type vol. Putain, on va devoir enlever quelqu'un, hein. Ah non. Je suis désolé Arcanin, mais tu ne sers à rien. Je suis désolé. Faut dire les termes. Bon, du coup, il y a quoi sous le laboratoire du vieux là? Déjà, on va jouer avec Missigno en first. La door est fermée. Ah merde! Comment je suis censé rentrer? Il se passe quoi si je vais chez Red? Et je parle à Sadaron là? Tu veux savoir à propos de lui? Je veux dire, c'est un garçon plutôt silencieux. D'accord. Attendez, mais du coup, il faut que je fasse quoi là? Je vais retourner avec les potes parce que là, il. Ok d'accord, il en a rien à foutre que c'est la porte et lock, je dois casser la porte. Ok. J'ai le pied de biche. Bah ouais. Utilise pied de biche en fait, tout simplement. Allez hop. Voilà. J'ai cassé la porte. C'est Aix. On est en train de se faire voler. Non mais toi... Tu sais qui j'ai? I have fucking missing now. Super glitch. Tibim. Oh, l'attaque de Zinzin! Mais Missing Now, il est trop stylé par contre. Non, au premier degré. Oh, l'attaque de Zinzin. Attaque de Zinzin. Hein. Magnéton. Ouais, bah l'arcane aurait servi, hein. Hein, ça l'a glacé. Ça l'a glacé. Hypnomade. Super glitch, hein. Qui glace. Missigno, c'est un bon. Ah, mais en plus, je vais pouvoir le voler, lui. Il avait de bons Pokémon, hein. Si, évidemment que je vais lui voler un Pokémon. Kadabra, Magneton, Hypnomade ou Electrode. Magneton serait cool. Ouais, j'ai déjà un type électrique en vrai. Kadabra, j'ai déjà du psy, quoi. Kadabra, je pense que Kadabra est le mieux, peut-être, je pense. Hypnomade, non, Hypnomade est vraiment nul. Tu veux quoi, toi? T'es un mal... Porygon! Allez hop, super glitch. C'est trop une attaque de zinzin, par contre, super glitch. Ok, Magneton, on va mettre tueur. Bonne rang. Ah, merde, mais... Putain. Mais Missigno est trop fort, hein.
J'ai l'impression que ça glace assez souvent en plus. Style un Pokémon, ouais. Je pense Grotanemorve, non? Grotanemorve. Ça fait un petit Pokémon défensif et tout. Elle, elle peut me soigner. Non mais toi... Dégagez, dégagez là. Vous travaillez pour le professeur Chen, vous... Oh, c'est il trop fort. Hein. En fait, il glace H24 pratiquement. Style un Pokémon. Vas-y, je craque, je prends un Magneto. Hein. Non, il n'y a pas que des livres. Non, il n'y a pas que des livres, arrête de mentir. Non. Ah. Mais derrière, il y, y a un bouton secret. Tiens. Bizarre. Je vais juste mettre mes nouveaux Pokémon là que j'ai volé, fraîchement volé dans mon équipe. En vrai, Arcanin, j'en ai besoin. Hein. Je pourrais pas voler, mais bon. En vrai, Mew, qu'est-ce que j'en ai vraiment besoin alors qu'il y a Magneton? Je pense que là, on est bien. Voyons mon équipe. Non, ça va, on s'est amélioré. Faut juste que j'y retourne à pied, mais bon. Voilà. T'es comment, Missigno? Oula! Faudrait peut-être regarder le live là. C'était il y a 5 minutes. mais après, il y a les. En vrai, si vous ratez les trucs et tout comme ça, n'hésitez pas à regarder la rediff hein, directement. Enfin, genre là, vous pouvez la regarder même si je suis encore en live. Ça me fait penser au truc de Undertale. Le laboratoire secret de. De Mewtwo, c'est... On m'a repéré? Journal. Janvier. 16 janvier 1985. 14h35. Le projet Mewtwo est sur le point de rater. Mes collègues refusent de le voir. Mais Signon était juste un... D'accord. Peu importe le clone aussi sophistiqué qu'il soit, il ne pourra pas être contrôlé. Je veux dire, c'est Mew. Est-ce qu'il a tort? C'était AM, 2h du matin. Si je ne peux pas sauver Kanto, personne ne le peut. Bon, ça va. Putain, et attends, mais il est terrifiant ce laboratoire. Il est terrifiant ce laboratoire. Oh, il y a un métamorphe. Il est enfermé. Le 14 février 1985. 11h15. PM. Donc c'est à dire genre il est 23h quoi, un truc comme ça, non? Ok, il doutait beaucoup du projet Mewtwo. Oh, les pauvres métamorphes. Attends, je vole. Attends, c'était quoi ça? D'accord. Merde, mais je me fais voir par tous les Mewtwo. Ah merde, j'ai pas eu le temps de voir. Bah, je crois que c'était le 29. D'accord. Mais le professeur Chen, c'est une ordure, hein. Voilà, moi je le dis. J'ai trouvé quoi? Oh, ouais! En vrai, si je peux te brûler. Je peux essayer de te capturer, mais j'ai pas beaucoup de Pokéball, hein. Moi je les vole là, de base, les Pokémon, hein. Ouais, je m'enfuis. Grand Escape? Merde. Dors. Qu'est-ce qui se passe? Wow! Intrus, alerte! Intrus, alerte! Garde robot? Qu'est-ce que c'est que ce miel? Le jeu est parti en couille sévère. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. À la base, c'était juste un jeu Pokémon. Hein.
Le jeu est parti en yux. Vraiment. Oh là là. Super glitch, allez hop. Dégagé. Super glitch. Ouh. Super glitch. Quoi? Est-ce que je peux voler un garde? Je peux voler un garde. Bah en vrai, monsieur Mime, hein. Ouais, je veux bien monsieur Mime. Ok. D'accord, le code génétique d'un humain. Non! Il va donner l'ADN de Red? Je sais pas pourquoi, c'est ma théorie. Parce qu'il est fort, Red. Non, c'est ma théorie. Hein. Moi, c'est ma théorie. Après, moi, je théorise. Je peux avoir tort. Et c'est peut-être pour ça qu'il est plus proche de Red. Mais je ne peux pas recréer. D'accord. Ok. Rodoclone, tu ressembles à un humain. Je vais créer un dresseur. Je vais créer l'embryon d'un dresseur excellent et laisser la nature prendre le dessus. Oh mon dieu. C'est pour ça que Red, il parle pas et tout. Il fallait donner. D'accord, ça va être le code génétique un peu de Mew. Il va le donner dans la. C'est pour ça qu'il est la figure paternelle. Je suis pas. Toi, t'as du mal avec les yeux, non? Enfin, on voyait bien quand même l'embryon. Il est juste mis à l'intérieur, quoi. Vraiment, c'est sous les yeux carrément là. Okay. Je peux pas escape ça, putain. J'ai rien contre l'arcane. Mais non, juste il a mis l'embryon quoi, à l'intérieur. Genre comme une grossesse sous assistance quoi. Tout simplement. Attendez, en fait, il faudrait peut-être que je me heal, non? Tout simplement. Big lore là pour le coup. Les gars, c'est tellement parti en couille. Non mais à la base, moi c'était juste Pokémon, mais je peux voler des Pokémon. Hein. C'est parti en couille totale. Je sais pas si vous vous rendez compte. Moi là-bas, je voulais juste être un RP Team Rocket. Vous vous rendez compte de ce qui s'est passé là? Genre, c'est parti en couille de fou. Hein. Genre vraiment. Genre, waouh. Je m'attendais pas du tout à ça quand j'allais faire, quand je faisais le jeu. Hein. Mais genre, pas du tout. C'est devenu si sombre. Non mais le professeur Shen, c'est vraiment une ordure. Hein. Oh, deux gardes! Je crois que j'en ai vu un deuxième. Ok, on switch. On a Psycho. Ce qui est super efficace, évidemment. On a Psycho, super efficace. Et Psycho, super efficace. Voilà. Deux! Ouais, on va voler un Pokémon. Ok, le journal. Encore. Le challenge de la Ligue Pokémon est une lueur d'espoir pour beaucoup de jeunes dresseurs. Même si juste un seul sur un million de participants peuvent espérer être champion. Dès que je vais lui donner sa licence Pokémon, mon clone. Ah, c'est pour ça qu'il est aussi puissant en raid. Il va détruire tout. Les gym leaders, la criminelle organisation, les Pokémon légendaires. Tout sera facile pour lui. Ils vont jamais voir arriver un enfant comme ça. Ok. Ils vont pas le voir arriver quoi. Il va revenir. Oh là 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 là, le lore. Oh my god, the lore, man. Putain, le lore. Encore? Attends, il y a une autre échelle.
Mewtwo s'est échappé du manoir Pokémon. Les ressources de Kanto sont vides. On peut plus faire ça plus longtemps. On ne pourra pas tenir la guerre plus longtemps. Peter. D'accord. Peter va mettre ma tête sur un pic. Avant même que je ne ploie le genou. Kneeling before. Ouais, c'est ça, hein, kneeling. Le knee, c'est le genou. Je ne le ferai pas. Je vais abandonner ma position de maître de la ligue. Et faire la salope. Devant Peter, publiquement. Oh, l'enfant est né. Et cet enfant a été créé juste dans le but de battre Peter, du coup. Tiens, tiens, tiens. Hein, vu que c'est un mineur et tout, et du coup c'est lui qui va prendre les décisions en tant que... Oh, il va pouvoir régner sur les deux régions vu que l'autre est mineur, du coup il pourra pas... Oh là 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 là. Il reviendra avec sa vengeance. Putain de merde. Merde, je suis repéré. Le passager Rocket est en train de bipper. Merde, je peux pas. Là, je suis occupé là. Il faut que j'aille à la Viridian Gym. Hein? Ah, j'ai vraiment fait le tour du coup. Bon. Waouh. J'ai appris des choses. C'était waouh. Honnêtement, que dire à part waouh? Waouh. Je me demande comment cette histoire va se finir. Hein. Vraiment. Parce que putain, le lore qu'il y a, bordel. C'est un truc de zinzin. Ok, donc là. Qu'est-ce qui se passe? Non, 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 non. Putain, c'est pour ça qu'il parle pas et tout. Qu'il sait pas. Putain, il a déjà ses 8 badges. Je pourrais pas l'arrêter. Non, Giovanni, s'il te plaît. Je ne laisserai pas passer ça. Il n'y a rien que je peux faire, chérie. Laisse-moi. Giovanni, tu abandonnes ta femme et ton fils? Chasse d'arc. Je suis désolé. Tu dois me voir comme ça. J'ai été battu dans une bataille une dernière fois. J'ai trahi ta confiance. C'est le moment de passer à autre chose. Je pense que c'est le mieux. Que c'est la fin de la Team Rocket. Quoi ? Je ne pense pas que tous mes admins et mes exécutifs sont d'accord. Donc just play. Tu es libre. De faire ce que tu veux. Et peu importe ce que devient le Team Rocket, je ne serai plus avec vous. Mais Giovanni. Attends. Tout le travail, Giovanni. Tout ce qu'on a fait. Notre enfant. Ouais, notre enfant, Ariana. Ah non, juste à cause d'un enfant, pardon. Ça n'a rien à voir avec leur enfant. Je suis désolé. Hein. Cet enfant va bientôt régner sur la région. Putain. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a accompli? Putain. Nous ne sommes même pas... Oh là 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 là... Oh là là, il est dépité. Non, 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 non. J'étais en train de me mentir à moi-même depuis toutes ces années. Cet enfant. Depuis la première fois que j'ai entendu parler de lui, il m'a rendu tellement... en colère. Toute ma violence, toute ma frustration.
Comprenez pas. Ça faisait aucun sens pour moi. Mais attends, je comprends. Et c'est pour moi le moment de partir. Jace Dark, je m'excuse pour tout. La Team Rocket ne va pas régner sur Kanto. Mais non, je n'ai rien à dire de plus. Prends ça. Quoi? J'avais tellement de grands espoirs en vous, en toi. Tu m'as rendu si fier. Qu'est-ce que c'est? So long, Gay Bowser. Wow. Oh non! Ah viens, petit bâtard! Silver! N'ose même pas t'enfuir! Je te déteste! Wow. Sois fort. Wow. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Un sac de thunes. 10 000 10 000 Pokédollars. Tout ce que j'ai fait, ça vaut 10 000. Et ça va pas la tête? Mais c'est un rat. Vous savez ce que c'est, 10 000 Pokédollars? Mais c'est un zinzin. Mais c'est un zinzin. Théorie, t'es le fils de Giovanni. Alors, vraiment pas, étant donné que, en fait, on vient de le voir. C'est 7 Hyper Balls. 8 Hyper Balls. Mais c'est un zinzin. Mais... Et une lettre était attachée. Cher Josplay, Je ne suis plus digne de régner sur Team Rocket. D'accord. J'ai échoué. Mais toi, Just Dark, tu as grandi bien plus fort que n'importe lequel d'entre nous. What? Il veut que j'aille faire l'élite 4? Venge-moi de Red, de Peter et du professeur Shen. Laisse-les nous rappeler de... Oh là là, what? Je vais faire ça, mon pote. Qu'est-ce que je deviens? Je fais en arrière. Maintenant c'est moi le boss, ok? Ok, c'est moi le boss maintenant. Y'a quoi? Y'a quoi maintenant? Je dois rire ou pleurer, Just Dark? C'est mon arène maintenant. Ah ah ah. J'ai cette équipe là pour la ligue, ça va être compliqué. Mais en vrai, il y a peut-être des Pokémon à voler avant. Donc on va voir. J'ai quand même essayé de faire le conseil 4. Putain, mais l'histoire est tellement folle. Ça sert à rien d'augmenter mes Pokémon du coup. À part ceux que je suis sûr de jouer quoi, mais. Oh, quoi, Peter? Giovanni? Je ne suis pas Giovanni. Non. Non, tu es juste un mec qui est super bien habillé, c'est ça? Hein? Quoi? Tu en as entendu parler? C'est fini, je ne suis plus le maître de la ligue! Une décennie que je n'ai pas été battu. Une décennie de règne. Parti en un instant. Pas. Putain. Qu'est-ce que mon grand-père va penser? Un petit enfant venu de nulle part. C'est Blue, hein. C'est Blue qui l'a battu, les gars. C'est pas du tout Red, c'est Blue qui l'a battu. Hein. Hey!
Ça ne change rien. Ok. What, 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 what? Mais c'est un zinzin. Je vais pouvoir lui voler un Pokémon. Faut juste que je gagne ce combat. Mais si je gagne ce combat, je vais pouvoir lui voler un Pokémon, hein. Techniquement. Oh putain, il a fait Dragon Dance. Oh là 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 là. Ouh là 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 là. J'ai mal à la bite. x4. Stabé. Stab one shot. Ok, coup critique. Ok. Je sais pas si je vais pouvoir voler à Peter en vrai. Aérodactyle. Compliqué. Compliqué. Surf, mais compliqué. Bélier qui me tue pas. Surf. Stabé quand même. Midlife. Quoi? Mais je suis trop nul, hein. C'est un truc de zinzin. Allez, missing nos super glitch. Voilà, voilà. Psycho. Voilà. Dragonair. Allez, X-Scissors. Allez, même moi, je te bats. Kingdra, 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 Kingdra. Je vois, il a King. Oh non, merde, il a fait son mur. Psybeam, j'attaque pas avant. Ouh là, là, je suis mort. Allez, vas-y. Vitesse extrême au moins, que je fasse un peu de dégâts. Je sais pas si je vais pouvoir le battre, hein. Super glitch. Oula, 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 oula. Ouais, 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 ouais. Est-ce que j'ai du heal ou pas? J'ai du heal. Ok, il est complètement glacé. Psycho. Super glitch. Psycho. Il est mort. Et il a un Draco. Los. Tout va très bien se passer de mon côté. Sauf si. Quoi? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Merde. Ça crash. Je crois que c'est dans le lore. Non, c'est pas dans le lore, hein. Non, ça fait super longtemps, j'ai pas sauvegardé, les gars. T'as pas save. Oh non. Putain, mais j'ai pas save depuis combien de temps? Reset, mais les gars, vous vous rendez compte depuis combien de temps j'ai pas save? Oh là là, save state, ça changera rien, hein. Oh là là. Depuis très longtemps t'as pas save. Mais depuis ultra longtemps, frère. T'as jamais save. Je crois que j'ai jamais save, hein. Spam. Ça change rien, hein. Oh le seum. Mais attendez, là, si je dois recommencer. Après en accélérant ça prendra que une heure, je dirais, de... Tout ça, mais quand même. Reset, t'as pas le choix. T'as save à Mewtwo. On y est de retour. Après je ne sais pas combien de temps. Mais on est de retour. Donc du coup là on doit tabasser Peter. Je pense que je vais lead avec Arcana. Et voilà, hein. Bon du coup on va pas relire le dialogue, évidemment. Ok, alors. Ah merde, il commence avec. Aïe 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 aïe. Ok, j'ai mis le Sunny Day. Putain, il a mis la pluie. Alors, de toute façon, j'ai sauvegardé. Donc au pire, super glitch. Ok, petite glace, psycho. Aérodactyle, putain, c'est tellement... C'est chiant. Je sais même pas il a quoi comme attaque. Bon, je vais mettre lui, mais je sais même pas il a quoi comme attaque. C'est pas dingue, hein. Ok, nice. Ok. J'ai perdu. Merde. Merde, j'ai perdu. Mais voir, il me fait combien de dégâts lui? Ça va. Super glitch. Tiens. Oh là là, il utilise une full restore, ce raciste.
Putain, je vais pas gagner le combat, sérieusement. Hein. J'ai dû. J'ai une super potion, quoi. Sunny Day. Oh là là, la quatrième full restore, c'est aberrant, frère. Ça a pris 10 minutes pour revenir? Je pense pas. 10 minutes seulement? Je pense pas. Tant mieux en vrai. Ouais, tant mieux, hein. Alors. Hop, hop, hop. minutes, ça va. Honnêtement, 15-20 minutes pour faire 2h30, ça va. Bon, j'ai pas de heal, j'espère vraiment que ça va passer là si je joue directement avec Léviator. Mais... ah, c'est vrai qu'Ectoplasma pourrait évoluer techniquement par level du coup. Ça fait 2 Dragon Dance. Ok, Psycho. Oh là là, mais je peux tellement pas gagner. Je ne peux pas gagner. Je ne peux pas gagner, hein. Je ne peux pas gagner. Ah, mais Gasly niveau 100. Merde. J'allais l'utiliser. Bah attends, j'ai Mug dans mon équipe. Ok. Il y a qui pourrait être utilisé là? J'ai des cadavres, mais niveau 40, ça me semble assez faible. Putain, j'avais un Raichu à l'époque. En vrai, je vais mettre les deux cadavres et on va voir. Hein. Faudra en rajouter un de plus, ouais, mais... malheureusement... that's too late, man. Peut-être que là, ça va passer. Ah, je vais trop vite. Je vais tomber, frère. Je vois pourquoi est-ce que le Missing No, il avait fait un truc chelou quand même. Ok. Super glitch. Psycho. Le fait qu'il utilise full restore me pète les couilles. Ok, nice. Voilà, il est confus. Ok, il s'est tué dans sa confusion. C'est bien en vrai de confus, hein. Putain. C'est un truc de zinzin, ça. Ok, Sunny Day. Même si c'est pas efficace, avec le soleil ça devrait faire un peu de dégâts. Ah, une petite brûlure aurait fait du bien au moral, hein. Ok, nice. Ça peut l'empoisonner, ce serait tellement bien. Oh, nice! J'ai gagné! Voilà, enfin! Ok, ça passe, ah, impossible! J'ai perdu une lana, Swin. Attends, je peux pas lui voler de Pokémon, c'est aberrant. J'en ai pas fini avec Kanto pour l'instant. Ok. Let's go! Ouais, prends les Dracolos, bah on peut pas. Moi j'aurais pas pris Dracolo, je pense. Je pense que Léviator aurait été le mieux. Intimidation et tout, c'est pas mal. Ça m'aurait mis bien, hein, Léviator, je pense. Écoutez, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Allons à la ligue. Allons à la ligue. Quoi? Oh merde, il dit que j'ai pas le droit de passer parce que j'ai pas les badges. Et il a raison. Et il a raison en fait. C'est vrai ça, je me prends pour qui? Bah je me prends pour le chef de la Team Rocket, voilà ce que je suis. En fait, je suis un ouf ou quoi? Je suis chef de la Team Rocket, mec. Et ouf ou quoi? Dégage.
Il y a un Maconeur niveau 45. Oh oui, je vais voler ton Maconeur, mon gref, mon ref. Allez hop. Voilà. Je vais tous vous péter. Vous péter la gueule un par un là. Voilà, dégage. Gravalanche, ça pourrait être utile ça, un Gravalanche. Putain, je me mets très très bien. Je me mets très très bien là. Voilà. Arcana ça sert à rien, il a un autre Maconeur. Bah, ça sert à rien. Enfin, ça, quand je dis que ça sert à rien, je veux dire, je l'ai déjà quoi. Gravalanche. Gravalanche. Il nous fera du bien, Gravalanche. Par contre, ils sont durs les dresseurs, hein. Waouh. Sans déconner. Ils sont durs, hein. En plus, je crois qu'il y a le type fée. Donc, c'est très chiant à. À passer un grand boule en fait. Ok. Oh, un cornèbre, trop mignon. Iron Head. Ok. Nice. On prend qui? Bah rapide. Un grand boule en vrai du coup. En vrai un type fée. Putain, j'ai pas de Pokémon qui peut voler là. Oh là là, trop chiant. Nom de la musique, je sais pas. I don't know. But what I know, c'est que là j'ai une équipe. J'ai Match Shock, Per, Cogneur, même. Ok. On a Gravalanche. On a volé aussi. Et Grand Boule, je le mets à la place de qui? Parce que. Parce que, ok, t'es type fée, mais t'as une attaque fée au moins. Ah, il a une attaque fée stabée en plus. Moi, je trouve que mon Arcana est claqué, mais bon. Je sais pas. Je ne sais pas. Kenry, c'est pas mal. Ouais, je vois bien. Hein. En plus, c'est stabé. Kenry stabé, ça pourrait être pas mal, mais je mets à la place de qui? C'est cool, hein, mon Pokémon défensif, il est trop bien là. Gros tas de mort, je pense pas l'enlever. Gros tas de mort inutile. Vraiment non. Non. J'ai pu switch dessus et il met en 4 coups, voire 5 coups. Donc Arcana c'est bien en vrai. Bah ouais. Ouais. Ouais mais Arcana est niveau 55 en fait. Gravalanche c'est bien, c'est vraiment utile Gravalanche. Hein. C'est vraiment utile Gravalanche. Non. Pour l'instant, tant pis. Pour l'instant, tant pis, mais. Je crois que je joue avec Missing No quand même, c'est lui que je dois un max XP. C'est pas Missing No qui s'est fait le bug la dernière fois. Oui et non. Je crois que c'est. Mais vraiment, il faudrait que je regarde la rediff. Mais je pense pas que ce soit Missing No. Hein. Enfin. Bon, bref. Genre, ils m'ont proposé quelque chose, j'ai dit non. Et du coup ça a bugué, ça fait glitch le jeu. Mais je crois en fait c'est pas un bug, c'est genre normal quoi. En gros ils m'ont peut-être dit ouais si vous faites pas ça ça va glitcher. Juste moi j'ai dit bah je vais quand même l'utiliser. Mais je pensais pas que ça allait bugger. Ok, Onyx mort. Ah lui il peut être pas mal hein. Ursa Ring. Je vole qui là? Bah Ridon hein. Clairement Ridon hein. Merde j'ai personne qui a surf. Pitié, dis-moi qu'il y a au moins un mec qui peut prendre surf. Oh. Ça va être trop chiant les dresseurs d'agrotte. Bah non vu que je vole leur Pokémon c'est trop bien. Ça va me permettre justement de faire mon équipe. J'aurais plus de zone qui soit pas là. Du coup. C'est très chiant qu'il soit pas là. J'avais qui pour surf? J'avais lui là. Mais je sais pas si la ligue est si dure. On m'a dit que la ligue était dure quand même. Donc il faudra qu'on voit mais.
Alors. Ouais. Oh, lui, il aura des types O. Ah, pas du tout. Dommage. J'aurais bien aimé avoir des types O, là. Genre un type O fort, ce serait cool. Ok. Ondoom peut être mieux que... Oh, il y a Nostanfer. Nostanfer, c'est excellent, hein. Je crois que je vais lui voler sur Nostanfer, hein. Ça permet de voler plus de... C'est excellent, ça. Alors... Ok. Ah, par contre, les dresseurs sont durs, hein. Waouh. Genre, vraiment. Là, il avait pas grand-chose, hein. Je dirais lui. Ah oui, mais du coup, il y en a 8. Il y a 8 badges. Il y a moins que je perde ce combat, hein. Genre, en termes de pourcentage de chance, je dirais... Oh là là... 100%. Psycho. Merde, il m'a brûlé instant, what the fuck. Par contre, j'ai pas du tout de vitesse ou quoi. J'ai l'impression d'attaquer H24 après, mais je crois que c'est l'impression. Oula, je vais perdre. Putain, le seum. Vol Maganon. Il y avait pas de Maganon. Pourquoi t'as pas fait le jeu en Nuzlocke? Parce que ça ne rajoute aucune valeur ajoutée de le faire. Tout simplement. En fait, il me faudrait un type haut fort. Un type haut fort et on serait vraiment bien. Et du heal aussi, hein. Et du heal. I need heal. Ok, vol. Ouh, la acrobatique. Oh là là. La dinguerie, mais la dinguerie de ce Pokémon. Allez, on y retourne. Tentacruel. Ouais, mais là, ça va crash, quoi. J'ai la flemme. Là, de retourner sur PKX, recraft un Pokémon, j'ai la flemme. Mais je pense qu'il y aura un Tentacruel au moment à voler. Ou alors il y aura un petit Aqualie. Je dis, il y a des top dresseurs dans la. Dans la route victoire, donc. On espère. Enfin, j'espère en tout cas qu'il y en aura au moins un qui va me donner un type haut. À peu près niveau 46. Mais putain, ça me brûle. H24, c'est aberrant en fait. C'est win. Pas du tout. C'est win. Pas du tout. C'est win. Là, c'est win. Alors, il avait un Magmar, Qu'est-ce qui était intéressant à voler? Pff, là, pas grand-chose. Hein. Bah, Magmar, en vrai. Ce qui est bien avec Magmar, c'est qu'il a corps ardent, quoi. Hé hey, t'as pas le droit d'être ici, mec. Ok. Ouh, bah là, il a des bons Pokémon, lui, par exemple. Ouh, lui, il a des vrais bons Pokémon. Je sais pas si je vole... je sais même pas qui je vole le plus, là. Entre son... entre son Léviator ou son... Je sais pas ce que je vole le plus, hein. Est-ce que je vole Léviator ou Armure? Bah, Léviator, je pense quand même, parce que Léviator... Ouais, Léviator. Oh, il y a une nana. Oh, elle me soigne. Merci, la nana. Pourquoi est-ce que j'ai pas la CT Force? Alors, techniquement, je suis censé l'avoir, j'en suis presque sûr. Ah, il faut que j'aille revoir la meuf? Pourquoi elle m'a pas donné la CT Force? Elle là. Ah, voilà. Ok. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Move Pokémon, alors. Bah, je pense que Gyarados, on ira le prendre à la ligue parce que là. Ah non, en fait, j'en ai pas besoin parce que la surf.
En vrai, mon équipe est bien là, hein. Si on la regarde. C'est space. Save. Les gars, je save juste, vous le voyez pas, mais je vous jure, je save. Genre là, regardez, je vous montre. Ma dernière save date de... Ah merde, j'accélère le jeu, du coup, vous savez pas, mais genre, quelques secondes, quoi. Et de toute façon, ça va pas cracher comme ça, hein, c'est... Je vais beau le répéter, apparemment, vous ne voulez pas l'entendre, mais... Je vous assure que... Je veux que c'est expliqué autrement, bref. Putain, j'ai que des attaques spé, par contre, sur le Gyarados, donc en vrai, c'est nul, hein. Merde. J'ai que des attaques sur le spé, avec Gyarados, avec Léviator. Je joue quand même. Parce qu'en vrai, le stab c'est quand même pas mal, mais bon, j'ai pas cascade. Après, je peux faire danse plus into surf, et au pire, c'est pas grave, hein. Ah, mais j'ai danse Draco, c'est tellement dommage. Je sais pas. Je sais pas trop quoi faire, là. Y'a quoi comme au type O? Y'a pas cascade dans le jeu? Cascade m'aurait tellement mis bien. Ok. Alors, on a force qu'on va prendre à grand boule évidemment. À place de rage, qui a 20 de puissance, what the fuck. Hein? Pourquoi c'est bloqué là par contre? Quoi? Ah, des top dresseurs! Ouais, Migalos bof à voler, hein. Spectrum peut être pas mal à voler. Ouais, magma. Mid. Côte au vol. Ouais. Spectrum, hein. Je pense. Niveau 47 quand même. J'ai l'impression que les énigmes ont déjà été faites ou alors enlevées. Oula. Ouais, un persian. Pas ouf. Ouh. Non, c'est les mêmes. Voilà. C'est une blague. C'est, je sais que beaucoup de gens adorent ce Pokémon, mais il est nul à chier. Hein. Faut l'accepter. Hein. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Faut vivre avec le fait que il pue la merde. En strat, en tout cas. Hein. Je veux dire, de tous les types électriques, c'est vraiment un des plus gaze, mais... Mais en vrai, j'ai pas de type électrique. Ah, Donphan, c'est pas mal, un hein, type sol pur. T'as pas besoin de force vu que raid est passé. Ah bah oui. Bien vu, bien vu. Non, je vais quand même prendre l'autre. On sait jamais. Mais bon. Attends, mais du coup, si raid est déjà passé, pourquoi est-ce que les dresseurs sont full vie? Enfin... Ah oui, d'accord, les dresseurs... Enfin, les trucs sont déjà dans les cailloux. What? Ok. Il veut pas que je l'aie. Oh là là. Nice. Nice. Quoi? Je suis mort contre un Corailon. Waouh. En vrai, Milk Tank, premier degré, ça pourrait être sympa, non? Milk Tank, c'était son meilleur. Hein. En tout cas. Quand t'escapes, mais what the fuck, quoi? T'es un Golbat, frère. Grand bulle un peu chiant, comment ça? Genre il est nul? Ouf! Ouf! Bah Electabuzz, je crois qu'il est un peu gaze. Mais là, Scarino, non? Scarino, ça peut vraiment être pas mal. Alakazam! Il a Psycho plus Nasty Spot? Non mais le Alakazam va là me met trop bien hein. Par contre. Ah ouais mais direct. Direct je veux le tourner à Alakazam hein. Merci Rion pour le Prime.
Vous savez quoi, au pire, je vais au bout de la route victoire. Je me heal. Et comment dire. Et je reviens ici là. Mais là, il faut que je me heal. Je sais plus comment on fait. Je vais faire tout le tour là. Non. En fait, vu que c'est fini, c'est trop bizarre. Je sais que je dois aller à. Là où il y a le trou là. Comment je vais là? Comment je vais là? Wouah! Contre-aperçant quoi. Je peux même pas TP. Altaria. Mais Altaria, c'est pas un dragon gaze. Dans la tête, c'est vraiment un dragon gaze, Altaria. Après, peut-être que je me trompe. Mais tous les dragons, Altaria. Si très gaze. Ah. Mais de toute façon, je crois que je vais juste faire le conseil 4. Ça m'étonnerait que dans le lore, je dois affronter Blue, tout ça. En plus, Blue, c'est mon pote. Enfin, c'est mon pote. C'est pas mon ennemi, en tout cas. Alors. On y est re-là. Là, on est passé là. Ok. Tête de fer qui rate 3 ou 4 fois d'affilée. Je ne l'ai même pas compté, mais c'est trop... Mais pourquoi je te touche pas, là? Ouais. Là, il y a du bon Pokémon hein, ici. Hein. Enfin, dans sa main, à Kobe. Slowking. Lanturne, ça ferait eau électrique. Ce serait pas mal en vrai, Lanturne. Hein. Marest aussi serait pas mal. Ouais, Marest serait pas mal. Je sais pas où aller, hein. En fait, vu que tout est ouvert, c'est trop bizarre. Ah, je vais aller là. Ok, là. Oh non, merde. Oh, wow. Je pense que je vole le Mentali. Ouais, c'est bon. Ah non, j'ai déjà un Alakazam. Ouais, je sais pas lequel est le meilleur. Umbreon, je pense, hein. J'ai déjà Alakazam. Alakazam est juste meilleur que Mentali dans ma tête. J'ai dit Nymphali? Mentali et Noctali, pardon. Le monde? Alors, je me soigne, je tabasse tout le monde, je prends tous les Pokémon de la route victoire, on fait la meilleure équipe. Et on va essayer de faire la route victoire qui va être, je pense, extrêmement dur. Honnêtement, extrêmement dur. Ouais. Alors. Je ne sais pas qui est-ce qu'on a pas fait. Toi, t'as pas fait? Ok. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'être faible. Après, c'est normal, hein, parce que je suis vraiment un membre de la team Rocket, quoi, à la base, mais... Et quand même, quoi. Chubutoke, ça peut vraiment être très très fort, par contre. Il manque qui? Il manque peut-être elle, là. Je l'ai pas faite. Putain, mais vu que c'est un fin de game, ils vont mettre une difficulté trop aberrante et ça va me rendre fou. Je le sais. I know it, man. Vraiment. Surf. Ok, Chansey. Ah, j'attaque que sur le spécial, c'est rigolo ça. Ok. Ouais. Bah, elle avait quoi comme bon Pokémon là? Comment elle s'appelait la Standler?
Non, mais en vrai, aucun. Aucun était vraiment incroyable. Je crois que c'était elle la dernière dresseuse. Et au pire, c'est pas grave. On a déjà bien assez de Pokémon. Oh. Forteresse est excellent, non? En vrai, forteresse pourrait être excellent. Ok. Simularbre, ouais, bof. Ok, les gars, on est à la fin du jeu, officiellement. Alors, attendez. Forteresse, ouais, mais explosion, ça sert à rien, j'ai pas d'objet. Forteresse, bof. Bah, y'avait qui là qui était bien alors? Bellosum? Merci The Mad Sunflower pour le message. Pas grand chose, hein. Forteresse, les autres flops. Ouais, même Forteresse, c'est pas ouf. Ampiflore? Ampiflore. Pourquoi quand est-ce qu'il est, frère? J'ai 20 levels de plus. Ah merde, il y avait lui. Tant pis. Tant pis, tant pis. Je suis à la ligue. Je suis le boss de la Team Rocket. Et je vais venger l'honneur. Mais non. Alors, déjà, à la Kazam, niveau 46, c'est sûr qu'il vient. À 100%. Mais à la place de qui? Bon, Grand Bulle, tu pues la merde. Voilà. Déjà, Grand Bulle, voilà, tu as un Prime. Est-ce que tu as une attaque genre. Il a Earthquake! Oh là là, il a Earthquake! Ça pourrait vraiment être utile, hein, je suis désolé, hein. Adieu Gyarados. Ça me ferait un Pokémon défensif, ce qui serait vraiment pas mal. Un Pokémon défensif serait vraiment pas mal, hein. En type combat, Heracross, je pense. La Ligue a été modifiée, je sais pas. Arcanin, je le trouve tellement gaze en fait. C'est nul un type feu dans ma tête, mais bon. Enfin, c'est pas ouf quoi. Je vais regarder. Allez, allez. En vrai, il attaque plus sur le. Ouais. En fait, lui, il est nul, hein, 6-2. Hein. 6-2, c'est grincé avec ses nouvelles attaques. Je suis d'accord. Hein. Je suis vraiment d'accord. Hein. J'allais l'enlever. Et du coup, on met qui à la place de 6-2-Yox? Bah, type combat. Combat et insecte? Genre. Je sais pas. Oui. Juste, il faudrait qu'il ait des bonnes attaques, quoi, mais... Il appartenait à... Il a close combat. Et il a méga corne, ok. Je pense que lui est bien. Je pense que là, on avait vraiment une bonne équipe. Et je pense que je pourrais venger l'honneur... de mon équipe. Peut-être jouer avec Alakazam, en vrai. Hein. J'ai Calm Mind et Psycho, c'est un truc de zinzin, ça. Hein. Faut juste que j'apprenne une attaque haut... à... Voilà, toi... Amnésie, c'est juste l'aspect def, on s'en branle. Mais une attaque physique, feu sur ton Arcanin, j'en ai pas. On n'est pas sur Smogon. On est sur un jeu vidéo. Mais c'est vrai, j'ai quoi comme autre truc en vrai? J'ai Dragon Claw. En vrai, Dracogriff, personne peut l'apprendre. Tant pis. Non mais là, on est bien. On est bien, hein. Bail. Ah quoi? Ah oui mais du coup j'ai pas beaucoup de thunes en fait. Oh. Et celle, est-ce que je peux vendre des trucs un peu? Genre ça là. Ok. Des Star Piece. Oh. Ça va. Attendez, j'ai des rares candy. Est-ce que j'utilise mes rares candy ou est-ce que je les vends? Non, j'ai quand même les utiliser, hein. Je pense que je vais tous les mettre sur mes signaux. Pas réfléchir, tout mettre sur mes signaux. Ouais. Ok, pour 1000$. Plus attaque, on sait jamais. On va peut-être l'utiliser. Une nugget, ok. Plus de précision, on s'en fout complètement.
Augmenter la stade de speed, je m'en fiche. La protéine, je m'en fiche. HP, je m'en fiche. Augmenter l'attaque spéciale, pourquoi pas. Augmenter le zinc. SPLF, on s'en fiche. Ok. Là, là du coup, j'ai de toute l'aventure, j'ai que 55 000 Pokédollars. Hein. J'ai combien de ça? J'en ai zéro. Bon, j'en prends une dizaine. Full restore. J'en prends une dizaine aussi. Full heal. Ok. Peut-être acheter des super potions. Que des max potions. J'ai mis toute ma thune dedans. Acheter des huiles. Ah oui, c'est vrai qu'on peut acheter des huiles dans Pokémon. Allez. Allez, allez. Merci, Acidict. Allez. Est-ce que j'ai des baies? J'ai peut-être des baies. Pas dingue. Je vais quand même les donner, on sait jamais. Vaut mieux ça que rien. J'imagine. Waouh. Ah mais du coup je vais l'affronter vu qu'elle... Vous n'avez pas tous les... Vous n'avez pas... Quoi? Soyez sûr. Le conseil 4 est actuellement en train d'affronter un autre... Enfin, d'accord. Et occupé avec un autre challenger. Tu vas devoir attendre ton tour comme tous les autres. Hein? Hello Just Dark. What? C'est Ronnie? Depuis que je suis parti de la Team Rocket, je suis devenu un solo gangster. Quoi? Oh merde. Est-ce que tu as entendu les news? Peter a été battu. Devine quoi? Et là, il y a un nouveau maître. Un nouveau mec qui est en train de s'occuper du conseil 4. Ok, on regarde la télé. C'est historique! C'est un jour historique pour les régions de Kanto et de Johto. Ladies and gentlemen! Le maître de la ligue, Peter, a été battu par un jeune dresseur venant du Bourg-Palette. Ouais, Blue! Ici, on est Team Blue! Ouais! Bonjour tout le monde! Plaisir de vous rencontrer. Je m'appelle Blue et je suis maintenant le leader de la région. Je suis le dresseur le plus puissant de Kanto et de Johto. Le meilleur des meilleurs, c'est moi! C'est devenu mon... C'est mon rêve depuis tellement de temps. Ça m'a pris tellement de temps, de travail, de patience. Mais maintenant, je suis enfin là. Quel changement vous allez faire par rapport au nouveau gouvernement, monsieur Blue? Oh, plein de bonnes choses, bien sûr. On a du travail sur le... tout le monde aura le droit de faire du vélo à l'intérieur, ouais. Et plein d'autres changements. Oula. Oui, peut-être, je sais pas, je comprends pas ce que vous dites. Ouais. Ah. Bon, en tout cas, maintenant, je suis maître de la ligue, hein. Aucun doute, je suis le meilleur. Blue, il y a des rumeurs comme quoi un autre dresseur venant du Bourg-Palette a battu tous les dresseurs de Kanto et est en train de faire le conseil 4. Est-ce que tu pourrais commenter par rapport à ça? Est-ce que tu es concerné par rapport à lui? Ah. Ouais, cette petite merde. Il n'a aucune chance. Laissez-le arriver. Je vais le défoncer. Juste, attendez, vous allez voir. Ouais. Bref, c'est pas grave. Être maître de la ligue, c'est un travail difficile, donc à plus tard. Ouais, Blue. Moi, je suis Team Blue, moi. C'est mon pote, Blue. Nouveau changement et tout. Putain, il a l'air sympa, ce mec. Oh, il a posé sa chaîne. Donc c'est vrai. Je n'arrive pas à y croire. Blue, ce n'est pas possible. Quoi? Il est déçu parce que Blue est maître de la ligue? Mais c'est ton petit-fils! Eh les gardes, laissez-moi passer!
Je suis le grand-père du maître de la ligue. Je demande de le voir. C'est une urgence. Quoi? Mais quelle ordure! Chose d'arc. Oh, merci Arceus. J'essaie de t'appeler par rapport au professeur Chen. Écoute, j'ai vu des choses. Je sais par rapport à l'enfant, je sais tout. Maintenant qu'il a tous ses badges et qu'il va faire le conseil 4. Oh, à partir du moment où il sera champion, le professeur Chen, on ne pourra pas arrêter le professeur Chen de sa de gérer la politique. Parce qu'en gros, vu que Red est mineur, pour ceux qui n'ont pas compris, et bah en fait, la seule personne qui est sous la tutelle de Red, et bien c'est le professeur Chen. Et le professeur Chen va mettre une politique horrible sur la région de Kanto et de Johto. Il va prendre sa revanche. Mais qui est Blue? Bref. C'est Red. Il ne disait rien. Oh là 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 là. Merde! C'est un psychopathe, laissez-nous passer! Nous avons des règles! Nous avons juste laissé. Non, 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 mais je baisse tes règles, toi. Waouh! Je crois, les gars, je vais devoir commettre l'irréparable. Et utiliser mon pied de biche une dernière fois. Je crois que c'est ça, hein. Elle veut pas me laisser passer. C'est une urgence, moi aussi. Bang! Aucun regret! Hein? Ah non, ça n'a pas marché. Ça... Ah merde. Juste soyez patient. Mais je veux pas être patient! Quoi? Tu as besoin de mon aide? Oh! Mais oui! Attends, tu veux dire. Mon aide? Putain. J'avais jamais pensé à ça. J'avais jamais pensé que tu dirais ça. Tu sais, Joss Dark, Je pensais qu'on était les meilleurs amis du monde et... Je sais que je suis pas du tout aussi intelligent que toi, mais... Waouh. C'est un peu émouvant. Je suis vraiment désolé. Laisse-moi faire, t'inquiète pas. Ratata! Mais lui, il sait faire que ça, frère! Il sait faire que ça avec son ratata, c'est ça son problème. Oh bordel de merde. Ratata. Hyper fort, c'est croc de mort. Ou alors c'est oh là là. Eh bien, ça a marché en tout cas. T'inquiète pas, Joss Dark. Bon, ratata et moi, personne peut nous arrêter. Eh bien, c'est super ça. Allez, laisse-moi faire la ligue. Je ne veux pas faire la ligue, laisse-moi passer. Attends, je ne fais pas la ligue. Vraiment? What the fuck? Excusez-moi, c'est une urgence. On se rend compte à nouveau. Joss Dark. Beaucoup de choses sont passées depuis, apparemment. J'étais... tellement fier quand j'ai appris que Blue avait réussi à défoncer sa mère à Peter. Mais Red, il semble différent. C'est une bête à lui tout seul. J'ai jamais vraiment fait attention à cet enfant, mais c'est clair que c'était une erreur. Je comprends maintenant pourquoi est-ce que le professeur Chen l'a tenu sur son aile depuis toutes ces années. Pour te dire la vérité, bref, tu cherches le professeur Chen, c'est ça? Je vais te le dire, il est passé juste après moi. Il était étrange. Il était froid, comme de la glace. Il n'a pas dit un mot. Bizarre. C'est Mayday. J'ai prévenu. On continue. Oh. Ah oui, du coup, c'est qui le mec des conseils 4? Ah, c'est Peter, techniquement. Ah! Toi encore! Eh, je te laisserai pas passer! Quoi? Maintenant on est envoyé par des terroristes? Mais ça va pas? Regarde-moi!
sur le nom de Giratina, qu'est-ce qui s'est passé? Allez, vas-y, mec. Mais du coup, c'était qui le quatrième membre du Conseil 4 qui l'a affronté, Blue? Premier degré. On sait qui c'est? Parce que... Agatha? Shen? Non, non, c'est pas Shen. Le mec poison. Bah non. Parce que là, du coup, si on compte, il y a la première. Aldo. Aldo, c'était pas le mec avant? Dans le vrai lore, il n'y avait pas de maître. Il n'y avait pas de maître avant l'histoire du jeu. Hein? Oh, Red! Quoi? Non, il a battu Blue? So, donc tu as gagné! Mes sincères félicitations, Red! Tu es le nouveau maître de la ligue! Tu as tellement grandi depuis la première fois qu'on s'est rencontré avec ton salamèche et que je t'ai donné ton Pokédex. Red, tu es incroyable. Blue, tu me déçois tellement. Je suis venu dès que j'ai entendu que t'as battu le conseil 4. Mais dès que je suis venu ici, t'avais déjà perdu. Blue, est-ce que tu comprends pourquoi est-ce que t'as perdu? Tu as oublié de traiter tes Pokémon avec de l'amour et de la passion. Sans ça, tu pourras jamais redevenir maître de la ligue à nouveau. Mais quelle merde! Non mais lui là, il est banni du 9-2. Hein. Lui, il est banni du 9-2. Hein. Ah, je le dis, si on le croise dans le 9-2, le professeur Shen, ça va très mal se passer. Red, j'espère que tu comprends que ta victoire, c'est ce que tu vas devoir faire. Red, viens avec moi. Non mais je verrai plus jamais Pokémon Rouge Feu de la même façon, hein. Je comprends pas. Grand-père, j'ai traité mes Pokémon avec du respect, toujours. J'aurais donné le repos qu'il fallait, l'amour qu'il fallait, je te le jure, j'ai tout fait bien. J'en étais sûr en tout cas. Je pensais qu'en devenant maître de la ligue, t'allais arrêter. Et t'allais me dire que tu es fier de moi. Waouh. Ah, tout ça pour rien, Joss Dark. J'arrive pas à y croire que ça. Que c'est vrai. Cet enfant l'a vraiment fait. Cet enfant est le professeur. La foule arrive dans quelques minutes. J'aurais vraiment aimé faire ça, enfin résoudre ça en privé. Ne t'inquiète pas, Joss Dark. Nous allons trouver peut-être une dernière solution. Ladies and gentlemen! Le maître de la ligue, Blue, a été battu. C'est un honneur de vous annoncer que le nouveau champion de Kanto et de Johto est Red, du Bourg Palette. C'est injuste maintenant que je connais toute l'histoire derrière ça. Il n'y a rien qu'on puisse faire maintenant à part attendre. Je vais faire un appel. Putain, Blue, il est encore là. On ne peut pas y croire nos yeux. Juste après que l'autre ait reçu son titre de champion, il se l'est fait voler juste après. C'est exceptionnel. So, qu'est-ce qui va se passer après? On tremble d'excitation. Mais il parle pas, c'est un mauvais clone, il a été buggé. Attends, le jeu se finit mal? Ouais,
Oh là là, qu'est-ce que ça me fait du bien de voir mon peuple de Kanto. C'est le professeur Shen qui parle. Tu sais, Red, j'étais là avant toi, hein. Je vous présente Red, ok, Red ne parle pas. Il a parlé. Yes. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Maintenant, je pense que vous vous rappelez la dernière fois que j'ai été dans cette pièce. J'avais un mix de feeling quand je me suis retrouvé ici à revoir cet endroit encore une fois. You witness red on my shell. Ok, d'accord. What? Il autre Red souffre de de problèmes sociaux, d'anxiété, de je ne sais pas. Il ne peut pas parler en public. Il est terrifié de communiquer avec le monde extérieur. Et c'est donc pour cette raison que je vais avoir une responsabilité assez spéciale. Je vais être la main droite de Red. Sa main politique pendant son règne. Et je vais communiquer ses vœux à vous, le peuple. Est-ce que tu es d'accord avec cet arrangement, Red? Est-ce que tu as tout bien compris? Oh. Il répond oui. Oh non, mais c'est... Non. Oh là là, non, mais lui. Non, mais lui! Il me semble clair pour moi. Red et moi allons bien sûr faire quelques changements dans la politique de Kanto. Qu'est-ce qu'on va faire par rapport aux champions d'arène corrompus, par rapport aux organisations criminelles? Quand Peter, qui était là, ne disait rien et les laissait grossir petit à petit. Et ce Giovanni là, pour moi c'est très clair. Nous allons ramener la justice. Et quoi d'autre? Dites-moi. Comment est-ce qu'on peut laisser les oiseaux légendaires se balader librement dans notre région? Qu'est-ce qui va se passer si ça tombe entre les mains de criminels? Oh là là, il va profiter de Red pour les capturer tous les légendaires. Oh là 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 là, et les garder pour lui. Non, c'est trop un truc de zinzin. On doit dédier toutes nos ressources pour les capturer le plus vite possible. Et mettre le gouvernement sous un contrôle. Pour la sécurité du public, évidemment. Et préserver un héritage culturel. Eh oui, mes chers cantoniens. Oh là là, il dit que Peter a fait de la merde. Donc il croit. Et juste parce que je suis d'accord avec ce que dit Red et son raisonnement, bien sûr. C'était pas moi, hein. Il a pas dit yes? Stop! Qui a dit stop? Cette réunion ne peut pas continuer ainsi! Écoutez-nous tous, Red ne peut pas être le champion! Ne peut pas être le maître de la ligue! Ce n'est pas un vrai dresseur! Il n'est même pas vraiment humain en fait! C'est juste une créature! Une création! Venue d'un laboratoire! Créé par le professeur Shen lui-même. Et nous avons des preuves irréfutables. Ça n'a pas de sens. Voilà le chauve.
Red se sent pas bien par rapport à ses problèmes sociaux, évidemment. On a besoin d'une safe place. Se retirer un moment. What? Qu'est-ce qui se passe? Nous demandons une explication. Attendez. Agatha? Samuel, est-ce que c'est vrai? Le couteau qu'on avait besoin. Nous pouvons l'avoir nouveau. Attendez une seconde. Vous n'allez nulle part. Cet homme. Attends, quoi? Elle est avec Shane. Il va créer le couteau parfait. Un endroit pour que les plus forts puissent prospérer. Est-ce que vous comprenez? Et si vous voulez, ok, il faudra me passer sur le corps. What? Mais elle est zinzin celle-là? Sortez, sortez. Oh non, Jeanne d'Arc, j'ai besoin d'aide, aide-nous, Jeanne d'Arc. Utilise-le maintenant, Jeanne d'Arc. J'utilise le safe scope, les gars. C'est bon. Ça va, là. Pourquoi je peux pas les attaquer? Attendez, je sauvegarde un coup quand même, au cas où, on sait jamais. Ah, je peux passer là. Oh, oh, oh! Jeanne d'Arc. Non, non, non. Agatha, tu déconnes! Ça, c'est pied de biche, hein, dans sa tête, Agatha. Non, Agatha a déconné. Agatha a déconné carrément. Psycho. Allez, j'attaque avant. Il attaque avant. Merde, 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 je résiste. Oh, merde! Merde! Missigno. Psycho. Allez, vas-y, j'attaque avant. Mais pourquoi j'attaque pas avant? C'est grave, ça. Ok, Psycho encore. Oh là là, attaque avant. Allez, je mets Sunny Day et Flamethrower. Acrobatique qui fait des dégâts de zinzin. Allez, allez, allez. Agatha est possédée par Shane. Non. Juste Agatha, elle veut créer le parfait canto. Elle pense... C'est très grave, c'est très grave. Honnêtement, ce qui se passe, c'est très grave, les gars. Je sais pas quoi vous dire de plus. Ah, mais du coup, ça va peut-être expliquer pourquoi est-ce que y a plus... vous savez? Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus... Red, en fait. Dans Earth Gold et Soul Silver. Ah, et peut-être qu'il, vu que ça va être une créature et tout, il va être banni. En vrai, ce serait triste, hein. Il va être banni au mont. Attendez, peut-être on aura le lore de pourquoi est-ce qu'il est là-bas, hein. Oh, le lore, le lore, le lore, le lore. Le lore est insane. Allez, acrobatique, tue-le. C'est bon, ça, Gengar, c'est bon. Quoi? Ça, là? C'est quoi ces non-dégâts? Poursuite. Voilà, poursuite fait du dégât, poursuite fait du dégât, poursuite tue. C'est win. Ah. Style Pokémon. Bah oui, évidemment. Je vole lequel, Gengar? Je vole quel ectoplasma, les gars? C'était lequel le meilleur? Le premier ou le deuxième? Je m'en rappelle plus. Le deuxième était plus fort? Plus level? Allez hop. Très bien. Mais je peux pas le battre. Attendez, attendez, je reviens, je vais me heal. Je vais me heal. Je peux pas me heal. Comment je fais pour me heal? Hein? Je peux pas gagner là. Enlève l'objet sur Crobat. J'ai un objet sur Crobat. Je pensais pas que j'avais d'objet. My bad. T'as des rappels. Putain, je vais devoir utiliser tous mes rappels. Putain.
Je l'ai abattu, vous savez la thune que c'est? Allez. Je vais lead avec Arcanin. Ouais, avec Arcanin, je pense que c'est le mieux. La porte est fermée. La porte est fermée. Et, c'est, et ce pied de biche alors. Voilà. Ça c'est ouvert. Bonjour. Comment tu vas, monsieur Roquette? Je pense que tu devrais savoir. Le boss final, c'est le professeur Chen. Non, tu ne feras pas ta dictature. Complete, ok. D'accord. Ok, ok. Si tu contrôles le dresseur le plus puissant, tu peux contrôler l'histoire. T'es juste un malade, mec. T'es un malade. T'es un zinzin. Mais je pense pas que j'affronterai Red, hein. Ok. Je ne dois pas laisser les émotions me parler pour moi, ok. Putain, il est fier de sa création, mais ça. Tu me dégoûtes, mec. Tu me dégoûtes. Ça ne te fascine pas? Ça va la vérité? Qui est Red? Quelle est sa personnalité? Il pourrait n'importe qui. C'est juste une poupée. Eh oui, une poupée. Pour quelqu'un qui pourrait le contrôler à distance. C'est moi, wesh. C'est moi quand j'étais petit et que je jouais au jeu. C'est sa raison de vivre. Je crois à Roquette. Assez parlé. Ok. Oh non, j'en fous des raids. Oh merde, 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 merde. Oh là 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 là. Oui, j'ai tellement perdu. C'est pas parce que j'ai les cheveux en arrière que j'ai une bonne équipe, hein. Ça va, 53, ça passe. Je lui ai mis un petit intimidation, protection. Ok, il voulait faire wing attack. Bâillement. Voilà, petit bâillement. Petit rain dance. Il s'endort. Ok, il dort profondément. Petit surf. Il se réveille déjà, c'est un truc de zinzin par exemple de se réveiller en deux tours. Ok, flame thrower, c'est pas grave. Ok, c'est bien ma reste. Moins 1. Putain, on a fond de raid. J'ai peur, j'ai peur. Pikachu. Bah Pikachu, je m'en fous. Earthquake. Bah ouais. Bah c'est évident. Dehors. Il a un Snorlax. Ok, alors Ronflex. Ça va être très simple, ça va être close combat. Bam, 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 bam. Allez, one shot. Yes, non. Non! Mais ça, c'est pas possible! Allez, cette fois c'est one shot. Cette fois c'est one shot, ok. Bon, là j'ai plus de défense, il faut que je switch. Alakazam!
Bah en vrai lui hein, j'ai méga corne, mais juste il faut pas qu'il attaque avant moi. Let's go, il attaque avant moi, du coup je suis mort. Résiste. Ok, je suis mort. Ok, c'est pas grave, j'ai super glitch. Ok, je l'ai, c'est bien. Psycho, un peu dégâts. Aéroblast, allez, plus tabé. Yes. Allez, Missigno. Ok, il a un Lapras, ça devrait le faire. On va le confure. Espèce de monstre, Red. Espèce de monstre. Merde, il aurait dû se taper dans sa confusion. Est-ce que j'ai encore des revives? J'ai encore des revives. Je vais ramener Heracross. Heracross combat. Close combat. Bam, 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 bam. Bam. Raid est nul. C'est, enfin, vu que c'est toi. Enfin, c'est vous, quoi. C'est le dresseur. Enfin, c'est... N'est pas sabé puisque j'ai mis Sibo et Bird. Ah, Bird, il est Bird. Je pensais qu'il était vol. My bad là-dessus. J'étais persuadé qu'il était Bird. Ok, psycho. J'avais vu Fly, moi. Non. Oh là là, très nul. Très nul ce que j'ai fait. Sunny Days, comme ça, Aquatel pue la merde. Et Flamethrower est excellent. Oui, d'accord, fais Dragon Pulse autant que tu veux. Dehors! Dehors, Red! Non, 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 c'est un truc de zinzin là, ce qui se passe. Oh, critique. Okay. Tout va bien, Missigno va pas mourir. Psycho? J'attaque avant? Red, tu as perdu! Dégage! Voler un Pokémon de ce dresseur? Bah en vrai, techniquement, je pense que le lore veut qu'on vole le Dracolos. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est que après des Pokémon qu'il a dans genre... Soul Silver. Je crois que le lore veut qu'on enlève son Dracolos. Théoriquement, non? C'est pas possible, j'étais préparé. Je n'étais pas préparé pour. Ah! Red, espèce d'idiot! Inutile! Je ne vais pas. Tout est en train de tomber en ruine. Pas comme ça! Bouge, l'enfant, je vais. Non, non, je vais le faire par moi-même. Ok, me pète pas la gueule. Qu'est-ce qu'elle fait, Agatha? Samuel! Je ne pouvais pas attendre plus longtemps. S'il te plaît. Pardonne-moi d'avoir laissé passer ces criminels à l'intérieur. Samuel, je suis désolé. Depuis le début, j'avais tort. Depuis maintenant 10 ans. Je disais que t'étais devenu une merde, mais en fait, tu préparais ça depuis le début. J'aurais dû réaliser ta force, ta vision. Putain, tu étais un homme d'honneur depuis tout ce temps. J'aurais dû rester de ton côté. Cher. T'aimais pour qui tu étais et je te détestais pour ce que t'étais devenu. Maintenant je réalise la vérité. Mon amour pour toi depuis 10 ans. Je comprenais juste pas mes sentiments depuis maintenant. Oh Samuel. Laisse-moi créer le canto dont nous rêvions ensemble. Alors, j'ai battu Red. Toi, comment? Comment oses-tu? What? Tu m'as laissé. Tu m'as jeté comme une petite merde quand j'étais au plus bas et que j'étais le plus faible. Ah, maintenant tu reviens. Depuis que j'ai retrouvé du pouvoir, c'est ça? BDH. Voilà ce que t'es, Agatha. BDH. Et tu oses dire des termes comme l'amour, de l'honneur. Tu me dégoûtes. J'avais ta chance. C'est trop tard maintenant.
Qu'est-ce qu'il y a à faire? Non, 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 mais non, mais là t'as pas. Tauros, giga impact. Ouais, 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 ouais. Ne te retiens pas. Hein? Quoi, quoi, quoi? Ah! Ah! Eh bien, qu'est-ce que t'es en train de regarder, monsieur Rocket? Mais il est pire que moi. Agatha! C'est toujours la putain de même chose. Un connard qui sabote mes plans. Oh mon dieu! Quel carnage! Je n'ai jamais aimé cette femme de toute façon. Mais quand même. C'est un malade. Avec aucun Pokémon pour se défendre. Waouh. C'est pour ça qu'elle est pas dans or. Il m'a soigné. Toi. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que pour le coup, il doit me rappeler que c'est vrai qu'il n'a jamais perdu une bataille vu qu'il avait abandonné bien avant. Il avait donné sa place à Peter. Putain. Vous pensez les gars, je peux le battre? Je vais pas... Waouh, il m'a dit, je préfère te prévenir, je vais pas me battre avec de la dignité. C'est un malade. Reste digne. OMG! Non mais c'est trop un jeu de zinzin! C'est trop un jeu de zinzin! Tauros! Ok. J'ai envie de switcher avec Heracross et de faire close combat. Work up, ok, c'est pas grave, il augmente son attaque. Moi, close combat, hop là! Allez! Allez, détruis-le! One shot! Stop play, one shot! Yes! Ça! Dors! Espèce d'assassin, Tauros! Espèce d'assassin, Tauros! Ouais, je le dis! Ok, Exeggutor. Exeggutor. On va mettre Sunny Days. C'est quoi ces dégâts de zinzin? Il attaque avant moi? Oh, il a des dégâts de zinzin. Non, il a des dégâts de zinzin, par contre. Attends, mais je fais zéro dégâts. Mais c'est qui ce type? What? Mais c'est un... Il fait des dégâts de zinzin. Aéroblast, allez! Allez, allez, Missigno, je compte sur toi! Allez, tue-le, tue-le! Yes! Il a chlorophylle. Il a chlorophylle! Jolteon, ok, Jolteon. Hop là! Earthquake, allez. Oh mais fais un vœu mon loulou. Ça va pas empêcher le séisme hein. Séisme stabé, 150 de puissance dans ta grand-mère. Même si t'as 7 niveaux de plus, tu meurs quoi? Il meurt pas. Oh il utilise un full restore, ok. Son rêve s'est réalisé. Il refait un rêve. Dors. T'as pas de dignité. Les gars, je vais voger, je vais sauver l'honneur de la Team Rocket. Je vous le dis. Je vous le dis les gars, je suis un bon. Je suis un bon. Oh, c'est lui qui avait pris le dernier starter. Oh merde. Il fait danse fleur. Est-ce que je résiste à ça? Ça va, c'est pas très efficace. Allez, aéroblast. Allez, Missigno. Ça one shot. Ça se passe très bien de mon côté. Ça se passe très très bien de mon côté. Ils vont envoyer Arcanin. Rain Dance. Extreme Speed, c'est pas grave. Voilà, il pleut. Maintenant, je fais surf. Maintenant, je fais surf. Allez, allez. Allez, allez. T'as jamais été battu, c'est ça? Espèce de gros menteur. Gros menteur.
savez quoi, moi aussi. De toute façon, moi je suis un mec de la Team Rocket, hein. Moi je me heal. Hein. Moi je suis une ordure. Hein. Petit arcanin de merde. Et dehors. Ok. Ok. Ouh. Gyarados, c'est compliqué, Gyarados à gérer. Compliqué, compliqué, compliqué. J'ai envie de le confure. Oula, il a fait une Dragon Dance. Oula là 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 là. Ouais, 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 ouais. Ok, ça l'a gelé, c'est bien. Aéroblast. Il est gelé encore. Putain. Ok, je l'ai confus. Super glitch. Ok, c'est bon. C'est bon, le glitch ultime qui fait des dégâts. Mais Signo qui est fort, hein. GG, c'était son dernier Pokémon. Oh là, le professeur Chen. C'est impossible. Vraiment. Voler un Pokémon de ce dresseur. Je lui vole quoi, les gars? Je vole son Froyza. C'est pas possible. C'était pas du tout se passer de cette façon là. Team Rocket, c'était une blague. Ce n'est pas possible que. Mais il y a quelque chose de différent par rapport à toi. La seule explication valable, tu n'es pas un mec de Team Rocket, tu es. Tu ne pensais pas que tu allais pouvoir t'en sortir comme ça quand même. La police. Oh là là. Oh là 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 là. Non mais là il a fait tellement de choses mal. Il a tué quelqu'un. Il a créé un être humain exprès pour gouverner. Il a. Oh là là. Non mais lui c'est l'ordure ultime, hein. J'ai une ordure. On vous enchaîne. Putain, du coup, ça va être Peter qui va rester maître de la ligue. C'est aberrant, ça. Qu'est-ce qu'il fait? Waouh, 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 waouh. Je sais très bien comment cette machine fonctionne. Bande d'idiots. Quoi? Il est complètement zinzin. Putain, Jace Dark. Attends, genre, affronter les Pokémon de raid, là. Come on, do something. Hein? Missing No est en train de trembler à l'intérieur de sa Pokéball. What? Oh mon dieu. Il est encore en vie, celui-là? La catastrophe. Il est en train de corrompre tout. Tous les records. Quelle créature. Attendez, je parle à mes avocats, bande d'imbéciles. C'est fini maintenant. Quoi? Moi aussi? Moi aussi j'ai en prison? C'est moi qui ai tout arrêté. Silence. Je ne vais pas laisser un criminel partir librement, non. No, 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 no. Va logique. Mais c'est moi qui ai sauvé tout le monde. J'ai empêché la dictature. Et le cadavre. Chut, chut, chut. C'est parce que je. Chut, chut, chut.
Ok, on va délivrer notre verdict. Red, tu es le résultat de... D'accord. D'accord. Ok. Il va être libéré, quoi, en gros. Parce que c'est pas de sa faute. Ah non, tu n'es pas un citoyen légal parce que t'as pas de certificat de naissance. Tu n'es pas un citoyen légal de Kanto ou de Johto. Tu ne peux pas être maître de la ligue d'Indigo. Merde. Donc, la position revient à ton prédécesseur, Blue. Votre honneur, je ne pense pas. Je ne veux plus être le champion désormais. Laissez quelqu'un prendre la place. Après tout ça et tout ce que j'ai appris par rapport à grand-père, je n'ai plus besoin de son approbation. J'ai d'autres choses à faire. Wow. Non mais Blue, il en a pas marre d'être le GOAT. Très bien. Eh bien, la position par défaut sera donc à Peter. Oh, votre honneur, j'accepte grassement votre proposition. Profiteur. Lui aussi, c'est l'ordure. Red. Nous avons essayé de faire le maximum de choses pour te traiter avec de la sympathie. Mais nous devons... Ok, assurer la... Tu n'es pas stable comme personne. Tu n'as pas le droit d'avoir des Pokémon aussi puissants pour une bataille. Tu n'as pas le droit de vivre dans une société civilisée. C'est tout. Tu es excusé. Le professeur Chen, maintenant, tu as été accusé d'avoir volontairement assassiné quelqu'un et conspirer pour avoir la main mise sur le gouvernement. Excusez-moi. Ah, et plein d'autres choses. Oula, il crée un laboratoire secret. Oula, waouh. Ah oui, pas là. Mais le lab en question est vide. Bizarre, non? De plus, ouais, d'accord. Ok. D'accord. Joss Dark, approchez. Oh non, bon. Chen, on a compris, il a pris tarif, mais il a été plus ou moins excusé, on sait pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es parti de l'organisation criminelle Team Rocket? Avec la mention honorable du titre de boss, tu es accusé d'un nombre incalculable de crimes et de Pokémon volés. Violence, corruption, intimidation, complicité. Oh là 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 là. Voler le vélo, traiter les policiers. Oh là là. Oh là 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 là. Joss Dark, il y a une prime de 75 000 Pokédollars sur ta tête. Finalement, le jury déclare que ta sentence sera 11 ans. C'est quoi ça? C'est-à-dire qu'en gros, j'ai pas le droit d'aller dans la région pendant 11 ans? Ou alors c'est 11 ans dans la prison pénitentiaire? Les gars, mais je comprends pas, j'ai sauvé la région. C'est trop injuste. Et le professeur Chen, 11 ans de prison. Putain, je pensais que j'étais banni de la région pendant 11 ans, mais tu vois que j'étais libre. Mais non. Ok, attendez. Joss Dark, je te déclare coupable.
Putain, le jeu se finit grave mal. Je suis triste là. Moi contre Mitou, mais non. Là le jeu est fini les gars. Le jeu était incroyable hein. Non, y'a pas de post game. Enfin de toute façon je le fais pas. C'est pas post game. Le jeu était incroyable. Vous avez kiffé le jeu? En vrai ça pouvait pas se finir autrement hein. Franchement c'est peut-être un des meilleurs fan games que j'ai fait hein. En vrai de vrai. Attendez, chut. Bonjour. Ah oui. Ok. Oh Léo. Qu'est-ce qu'il fout là? D'accord, donc le professeur Chen a bien tout nettoyé après avoir cassé ça. Je voulais juste vérifier ça au cas où. Très sophistiqué. On pourrait pas reprendre un. Mais qu'est-ce qu'il fait? En vrai, s'il y a Pokémon Team Rocket Edition, mais genre sur Johto et tout, ce serait quand même une suite. Hein. Mais bon, ils ont mis quand même 2014 à 2020, ils ont mis 6 ans à faire le jeu, vous rendez compte? Quoi? C'est qui lui? Les gars, c'est qui lui? Oh, c'est le professeur Orme! De la deuxième génération! J'en ai vu assez, Léo. Compte sur moi. C'est un plaisir de faire du business avec vous, professeur. OMG! Non, mais il y aura une suite? Non mais le jeu est exceptionnel hein. Le jeu est incroyable hein. Vraiment. Vraiment.